Dans les cités d'or. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a beaucoup d'hispanophones. Je sais pas. Il y a un avion pas loin. Ah oui, l'avion, c'est-tu un... Là, c'est peut-être une question vraiment niaiseuse, mais il y a comme une statue d'avion juste une à côté statue de... statue d'avion, ben, mon amour. Il y a une statue d'avion. Quoi, comment t'appellerais ça? Stéphanie, j'apprendrais ça un avion. Non, mais c'est... Moi, c'est comme ça que j'appellerais... Comment je me référerais à l'avion dehors, près de la salle? Je dirais l'avion. Tout le monde comprend. Non, mais c'est parce que je sais pas si c'est de format réel. Ouais, c'est ça. C'est une vraie avion. Vous êtes déçu. Pourquoi vous êtes déçu, votre avion? C'est super, il y a un avion. Quelle guerre il y a eu ici? Aucune! Mais oui, mais pourquoi il y a un avion militaire? Là, ils sont fiers d'avoir tué des nazis. Je sais pas. C'est pour ça, tu penses? Ils sont fiers. C'est celle-là. Ils ont tué des antisémites. Moi, si j'avais tué un antisémite, j'en parlerais à tout le monde. Ben... Salut, moi c'est Thomas, j'ai tué un antisémite. Pis toi, ce serait génial. Moi aussi, je serais fier. Non, là, tu mais... serais, j'ai tué un membre de la famille. OK! Toi, pas antisémite. Il déteste les Noirs. Non. Hey, c'est un bon moment pour plugger notre commanditaire, tu trouves pas? Selon vous, c'est lequel? Mon amour, cet épisode est une présentation de Manscaped. De qui? Manscaped! Non, eux! Ah, excuse. Ma chérie. On peut recommencer. Le froid, ça, c'est pas facile pour Steph. C'est pas facile. Alors, avec le code promo COUPLE20, vous avez 20% de rabais et la livraison gratuite. Ils prennent l'avion, non? C'est nul, excusez-moi. Je vais en avoir des meilleurs. Il va en avoir des meilleurs. Ou pas. c'était mon sommet. OK, ils ont maintenant un kit pour prendre soin de ta barbe. Tu prends soin de ta barbe, toi? Hein? Ben, je sais pas. Dis-le! Y a-tu des gens avec des barbes, là? Puis j'inclus les femmes, ben là, parce que moi, mille... je suis là-dedans. Là. Hey, c'est vrai, toi, t'as une super belle barbe. Tu veux-tu... Tu veux-tu un rasoir? Yo! Yeah! Là. Oui. Cet homme-là. Non. Ben, gars, je vais te dire, là, t'as plein d'affaires là-dedans. T'as un baume pour comme. Comment t'as dit ça? Un baume. OK, pour le dire comme ça. Ça, c'est pour faire différentes shapes. Peux-tu, s'il te plaît, moins j'sais mépriser pas, ceux qui nous payent? Pas. C'est quoi que tu peux faire? C'est grâce à eux, là, sur la Abitibi, là. Tu l'envoies à gauche, une journée, tu l'envoies à droite, là. C'est ça que tu fais, genre. Comme aujourd'hui, genre, whoop! Je sais pas, c'est à ça que ça sert. En tout cas, si vous tripez sur faire ça, j'imagine... Je suis tellement content qu'ils comprennent pas le français. on rit souvent de la fermeture d'esprit des Américains. Là, j'adore ça. Un shampoing, un revitalisant, de l'huile avec des nutriments qui font en sorte que ta barbe est moins sec, puis la peau en dessous aussi est plus douce. Ça ajoute de la brillance. Mon amour, ton ton, il est bon, change-le pas. C'est le mais bon c'est parce ton. Que je traduis en temps réel, genre. Tu feras jamais de TVA annonce. Hey, le baume, là... Je te l'annonce aujourd'hui. TVA annonce, ils vont jamais appeler à la maison en disant « On a besoin de ton ton naturel. » Devine les odeurs qu'il y a dans le baume. T'as pas besoin de regarder. Macaroni Michelinas. Non, t'as deux autres essais. Un autobus Greyhound. Non! Le McDo, mais quand il y a bien du monde. Alors, c'était l'eucalyptus, le rosemary en français, je sais pas c'est quoi. C'est le McDo qui est bien... Pardonnez-moi. La quoi? Le romarin. Oh, tu te l'es fait dire, ma chérie! J'ai comme compris, genre, une affaire de la reine. J'étais comme... Le romarin. Mon Dieu, excusez, je vais me faire un jardin. Puis de la lavande. De la super! Lavande. Avec couple 20 sur manscaped.com, 20% de rabais, livraison gratuite. Gratis.
Puis on a fait un heureux. Applaudissez-les. Mon amour, je vais faire un petit suivi là, de l'épisode qui n'est pas encore sorti, là, mais c'est qu'on a enregistré un live. Et là, les gens qui vont l'écouter après, là, ils vont le savoir, c'est pas grave. Là. La mise en contexte, c'est pas si compliqué. T'es comme une mère qui parle. Oh, tu sais pas ce qui est arrivé à Sylvie. Je la connais pas, Sylvie. Ah, fais-tu bien? Oh, ouais, elle s'est blessée, elle pourrait mourir, Sylvie, je sais pas c'est qui. Bon. J'ai commencé à faire du yoga chaud, OK? Ah, oui. Et là, j'ai fait mon deuxième cours cette semaine. J'ai parlé du premier cours lors du live à Québec qu'on a enregistré la semaine passée. Deuxième cours, OK, il y avait un homme cette semaine. Un homme, parmi toutes nous autres, les femmes qui matchent maintenant. Parce que là, j'ai compris qu'il y avait un uniforme, là. Fait que là, moi aussi, j'y vais en legging, avec un petit top cute, là. Magnifique. Bon, c'est ça. Fait que là, je me suis dit, je vais me fondre. Puis là, lui, ah, un homme, s'il popait, complètement détonné. Puis là, j'étais comme, non, faut l'accueillir, c'est pas grave. Et là, premier exercice, il a décidé qu'il voulait quand même pas se fondre au groupe, tu comprends? C'était 3 respirations, par le nez, t'expires par la bouche. Mm-hmm. À la deuxième, il s'est étouffé. J'adore ce gars-là. Le meilleur gars. Complètement le meilleur gars. Complètement décentré dans ses chakras. Fait que là, on s'est dit, on va lui donner une chance. Série de deuxième exercice part, il s'est endormi, man. Il a dormi, il a ronflé tout le long. Tout le long. J'y respecte tellement. Habituellement, genre, la prof est tout le temps comme, tu sais, là, faut avoir tout comme tous les sens éveillés, porter attention à la lumière et aux odeurs et au bruit. Puis là, on dirait que le bruit, cette semaine, on n'en parlait pas, tu sais. Insane. J'ai adoré. Aussi, shout out à la madame que même si c'est du yoga chaud, elle vient avec son châle. Wow! Meilleure fille. Ouais. Et qu'au début du cours, elle fait des lectures sur le divorce. Pardon? Elle lisait tranquillement un petit livre. Tu sais, habituellement, t'arrives dans la salle, puis tu t'installes, puis là, tu fais semblant que t'es complètement détendue. OK? Puis, mais elle, réellement complètement détendue, avec son châle, en train de lire un livre sur comme, comment se retrouver après le divorce. Gang, pensez-vous qu'elle a divorcé ou elle se prépare à laisser son homme? Elle se prépare? J'aurais dû poser une question plus facile à répondre, mais là, j'ai juste entendu « Rush Hour » et c'est mon erreur. Moi, je pense que le châle indique que c'est fait, là. Elle a besoin de chaleur? Tout à fait. Fait que ça, c'est toi, quoi de neuf? J'ai jamais dit ça, mais une fois, une de nos premières chicanes. On en a déjà parlé. Ouais? Tu peux en parler si tu veux, mais ça qu'on en a déjà parlé. On a mis un documentaire sur Netflix. On adore les documentaires sur les sectes. Et on a mis un documentaire sur le yoga Bikram, qui est le yoga chaud. Puis après 20 minutes, je réalise, j'ai déjà été dans cette secte-là. Puis j'avais jamais réalisé que c'était une secte. Fait que c'est à cause d'un documentaire Netflix que j'ai réalisé que j'étais dans une secte, puis ils m'ont mis dehors. C'est surprenant. Hein? Et c'est là que j'ai réalisé. Un groupe a voulu t'exclure. Oui! Les sectes, je suis prêt à leur donner de l'argent, à me vider, à leur donner mon âme, puis ils font... Non. On n'aime pas ton énergie. Garde ton numéro de crédit. Est-ce que ça te fait de la peine, tu le suis? Énormément! Encore? Je comprends. En tout cas, c'est tout. C'est comme quand les scientologues aussi t'ont dit de t'école ici. Ouais. J'ai des scientologues et j'ai le gars Bikram qui ne veulent pas à leur secte. On est passé devant les témoins de Jéhovah tantôt. Je pense que t'es rendu là. J'adorerais aller chanter chez le monde. Tu serais bon, pour vrai. Masturbe doit pas croire en Jésus. Il est super. Il est mort pour tes... Il serait mort pour rien. Voyons donc. C'est vrai, tu serais bon. Il marche sur l'eau. Transforme l'eau en vin. Il y a 12 gars qui le suivent. Non, qui te suit, toi? Personne. T'es tout seul. Est-ce que tu serais plus ceux qui prennent des marches puis qui vont cogner chez le monde? Cogner chez le monde. OK, moi, si j'étais témoin de Jéhovah, je serais ceux qui se tiennent proche des hôpitaux. Est-ce que c'est meilleur, eux autres, hein? T'es comme... Hey, ils vont pas bien, tout le monde ici, hein? Moi, ils aident, moi, avec mon catalogue de niaiserie, calice. Asti, j'les haïs, tabarnak. Des calices, asti. Comme si on souffrait pas assez, déjà. Oh, man. Hey, tu sais quoi? Quoi? L'autre jour, dans un podcast, j'ai un peu bitché comme des gens qui font de la vente pyramidale. Sans jamais nommer exactement de quelle
compagnie, je parlais. Et là, l'autre jour, en dessous d'un de mes statuts Facebook, ils sont venus genre dire « Ah, check, c'est elle, l'autre jour, qui parlait de notre nanana. » Oui! Puis là, j'ai un peu eu peur. T'as une ennemie? Ben... Des ennemis? Ben oui, mais tu sais... Mais ils ont pas d'argent, c'est pas grave. Ben je pense... Ils sont endettés. Je pense qu'ils en ont, c'est ça l'affaire. Ils en ont? Oui, c'est ça, là. Ils en ont? Ben ceux qui sont en haut, estime, tu comprends? Là? C'est ça. J'ai eu peur un peu. Ben... Trouves-tu que j'ai raison? Je pense pas. Je sais pas. J'en parle pas, j'ai peur! Ça, c'est le genre de conversation qu'on n'a pas devant du monde. Ça va bien aller. Tu penses? Mais de toute façon, là, même s'il me tue, j'ai pas encore acheté l'assurance vie. Fait que ça sert à rien de me tuer, tu vois. Je vois, tout à fait. Je vais boire pour oublier. J'aime que tu bois au goulot du vin blanc. Ce qui est, tu dis, en région, on va être région. C'est un format de poche. C'est un format de poche. Pourquoi salir un verre? À la région. Ils ont dit d'économiser l'énergie. Il fait moins 42 dehors de ressenti. Je veux juste saluer. On a un fan français, l'autre jour, qui m'a écrit. Puis qui a dit que son rêve d'envie, c'était de traverser l'Atlantique pour venir voir Couple Ouvert live. Il veut juste coucher avec toi. C'est correct. Je comprends. Là. Moi aussi, je traverserai un océan pour te fourrer. Ah, t'es mais... fin! Merci. Oh. Mais c'est pas ça le romantisme. Mais merci. Merci quand même. Yeah! Des air miles pour pénétrer quelqu'un. Mais fait que ça pour dire que je lui souhaite de réaliser son rêve, mais que ce soit peut-être. J'y souhaite pas, moi, de réaliser son rêve. Non, mais c'est toi qui as inventé, là. Ah mais... oui, j'ai inventé ça, oui. Mais que j'y souhaite que ce soit pas à moins 42 degrés Celsius, là, je précise. Oh, ouais. Tiens. Y a-tu du monde qui sont venus en motoneige? Come on! Est-ce que c'était une question raciste? C'est du racisme anti-blanc. Du racisme anti-blanc. Hey, on n'est pas toutes de même, OK, ça? Juste mon oncle. Mon amour, est-ce qu'on accueille notre invité? Ça serait super. Let's go. Mesdames et messieurs, accueillez avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse et d'amour comme seul vous en êtes capable, accueillez Guillaume Boldoc. Yeah, yeah, yes! Bel accueil! Tu viens du lac? Ouais. La première fois que tu as sniffé du gaz de motoneige? Non, moi, c'était du gaz de tondeuse, c'était mixé. T'as déjà fait ça? Hey, on parle de même, génial! T'as déjà inhalé de l'essence? Ouais, à l'adolescence. Hein, hey, c'est comment? Par applaudissement, qui ici t'a encore inconnu? Oh. Wow! C'est quoi le buzz? C'est un peu comme faire du butane. Non, mais c'est un peu comme couper l'oxygène dans ton cerveau. Tu sais, ceux qui font de la crème fouettée, là, le gaz... Steve-O. J'ai aucun référent. Oui. J'ai aucun référent. Faut que tu nous aides. C'est pour de vrai, l'effet que ça fait, là, c'est comme si tu clignais tes yeux vite, 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 puis que tu faisais... Ouais, c'est ça que ça fait. J'ai pas fait ça tout mon adolescence. Juste sur la 3. 5-6 ans. Mon père m'a déjà chicané quand j'étais jeune parce qu'à chaque fois qu'on allait gazer, je baissais ma fenêtre puis je faisais... Après ça, genre, tu t'arrêtais pas de demander de t'acheter des crayons de feu. Ça sentait tellement bon. Ça avait si bien commencé. De quoi, ça? Moi, non, la phrase de Thomas, genre, moi aussi, je traverserais les océans pour te fourrer. c'est en arrière. C'est touchant. Hein? Ouais, ouais. Est-ce que c'est un grand romantique ou pas? Un grand romantique, je pense que je suis... Romantique correct. Je suis capable d'être romantique à mes heures. Je suis gentil, je suis à l'écoute. Qu'est-ce que tu fais de romantique? Qu'est-ce que tu as déjà fait de très romantique? J'ai déjà... j'avais des... puis c'est une première date en plus, puis j'allais chez elle l'attendre avant qu'elle finisse de travailler. Okay. C'est peurant. Ouais, un peu. Beaucoup. Surtout non, c'était peurant. J'habitais à Alma, au lac Saint-Jean, et je suis venu à Montréal la rejoindre, puis j'arrivais avant elle, puis j'avais comme
C'était Saint-Valentin, là, fait que j'avais acheté une rose, puis j'y avais fait couler un bain, puis j'avais mis pétale dans... Ah, mais c'était ouvert? Ouais, ouais, elle m'avait fait... OK. Ouais, je comprends rien, mais il y a une fille qui avait... Hein? Et je... Ouais. Oui, hein? Oh, oui, elle m'a dit de venir le rejoindre chez elle. Elle avait laissé... connaissait pas. Elle avait laissé une... Ben, on se parlait. Oui, mais quand même! Ouais, ouais, je sais, il a pris une chance, là. Je fais 6 pieds, 300 livres, c'est-tu? Me laisserais-tu rentrer chez vous, toi? Mais ça s'est bien passé, elle est pas morte rien. J'ai jamais retrouvé le corps. Non, non. Pire chose que j'ai faite, c'est que j'ai enlevé les pétales d'une fleur. Mais c'est romantique, ça. Mais c'est vrai, c'est ça, t'as fait couler le bain des petits pétales de rose. C'était un gag, parce que la fin de semaine de la Saint-Valentin, puis comme c'est une première date, c'est comme, je trouvais ça drôle de la jouer trop over. Ouais. En fin de compte, ça a joué contre moi. Comment ça? Ben non, mais dans le sens que, genre, on s'est pas revus, là. Ça fait, on s'est vus une fin de semaine, puis c'était chill. C'est okay, tout? OK, mais là, je pensais qu'elle avait rendu mais comme tabarnak de me faire cochonner la salle de bain. Non. Ramasse tes cochonneries, là, tu sais. On repart 5h30 de route puis repartir. Est-ce que au moins vous avez fait l'amour? Oui. Phew! Ben oui, j'ai acheté une fleur! Chris! Tu connais ça, le préliminaire, là? Guillaume, ouais. T'as ce qu'on pourrait appeler, puis là, je sais pas si c'est correct de le dire, ah, si là. Bon, encore, tu vois, mon Dieu, ça fait à peine 10 minutes qu'on a commencé, puis il va falloir censurer 4 fois. Mais t'as ce qu'on pourrait appeler un tramp stamp? Oui. Ah oui, un tramp stamp. Alors, est-ce que tu peux expliquer aux gens c'est quoi un tramp stamp et le c'est quoi que t'as de tatoué? Ben, je peux le montrer oh aussi. Oh my God! Ah, je le montre-tu? OK. Guillaume! C'est un grand moment. C'est incroyable. Peux-tu tout nous expliquer? Oui, peux-tu parler du début, c'est-à-dire... C'est-à-dire pour quelques de mère t'as fait. C'est ça, t'as fait quoi quand t'avais 3 ans? Ben, je suis né le 4 juillet 86. OK. Non, mais... Oh mon Dieu, t'es born on the 4th of July! Ouais. Impossible. Comme Tom Cruise. L'avion, c'est la tienne! Ben non, mais... Tantôt, je trouvais ça drôle, vous parliez de l'avion, j'étais comme, ce serait drôle qu'il soit là juste parce qu'il y avait plus de place à la cage au sport. Il rentrait pas! C'est pour ça qu'on se sent si bien. C'était le kayak ou l'avion? Y a-tu une cage au sport ici? Ouais. Oh, nice! On sait où on va dîner demain d'abord. Oh shit! Oh oui. Shit! Réglé. Parfait. C'est quoi qu'il y a au plafond? Y a-tu des goûts des... Y a le Mike Pringle, mais le vrai. Dans la cage de la Corriveau. Let me out! Ah, il est drôle. OK, fait que, ouais, tu t'es fait tatouer, c'est pour les gens peut-être qui voyaient moins bien dans le fond, c'est deux dauphins. Deux dauphins avec Céline Yang entre les deux. Carpe diem décrit. Ah, un orgie de mauvaise J'y ai pensé trop tard, mais j'aurais voulu aussi le signe japonais, un signe japonais au-dessus du signe Yin Yang. Ouais. Puis le signe japonais qui veut juste dire dauphin. Ça m'arrive comme... Qu'est-ce que ça veut dire? Dauphin. Quand est-ce que tu as eu l'idée? C'est... tu sais, j'ai toujours trouvé ça drôle, puis comme, c'est niaiseux, puis c'est pendant la pandémie, là, j'ai... Pandémie. Ouais, mais ça interrompt tout le monde, hein? Là, maintenant, il faut que tu vois du monde. Je me suis trouvé un prétexte. Mais c'est Joe Guérin. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Joe Guérin, là, l'humoriste? Ouais. Qui a commencé à tatouer, c'est lui qui me l'a fait. Puis il est bon, c'est son genre oui. 21e tatou que j'ai dans le dos. Puis comme, il est super bon. Allez voir sa page Instagram, c'est Pizza Panini Restaurant. Quoi de genre? Bonne chance. Ça te fait mal? Pas si pire. C'est toffable, là. C'est pas la grosse affaire. Et là, quand tu rencontres une nouvelle personne, ouais. Comment est-ce que t'adresses ça? Ben, ouais. Des fois, je l'oublie, puis, mais tu sais, il y a des photos sur les médias sociaux aussi. Fait que moindrement, tu me stalkes un peu tes ben oui. Tu l'as vu, là. OK. Mais c'est drôle, je l'oublie, parce que des fois, je vais nager, là. Puis ça a comme pris un bon bout avant que je m'en... C'est vrai, Chris, j'ai un dauphin dans le bas du dos. Ouais. Mais c'est drôle, mais c'est drôle parce que c'est en plein. Les gens qui essayaient de m'en dissuader, c'est les arguments qu'ils donnaient. C'est comme, mec, t'ailles à la plage, qu'est-ce que le monde va dire? Ouais. Ben, ils vont rire, c'est tout. Ouais. C'est ça. Ouais.
Non, non, j'ai comme... Je me disais, c'est beaucoup trop drôle que ce soit une mauvaise idée. Mais c'est bon, là, je veux continuer... Ça, c'est Carpe Diem, mais plus compliqué. Ouais, non, c'est ça. Je veux continuer à me faire tatouer par Joe Guérin, puis c'est tout le temps des jokes qui tatouent. Mm-hmm. Puis là, on a fait, genre, cherche des idées, puis comme j'aimerais ça avoir Piranha Montana. Tu sais, comme là, le premier que je me fais faire, c'est des cigarettes qui font un pacte. Fait que c'est un pack de clopes. Ah! Ouais, c'est ça. Je vais me faire une manche avec juste des niaiseries. Ouais. Des cigarettes qui font un pack, genre ils serrent la main? Ben genre, comme face à face avec un couteau puis un démon. Font un pack de clopes. C'est bon, non? C'est parfait. C'est parfait. Ouais. Oh my God. Ma mère est full fière. As-tu un rapport sexuel puis la fille fait « Wow! » Non. OK. Parce que tu te fais pas... Toi? Tu te fais pas souvent prendre par en arrière. Ouais, c'est ça. Je comprends. Ouais, c'est vrai que... Wow! Mais j'ai pas de miroir au plafond non plus. Non plus. C'est une erreur. Hmm? C'est une erreur. C'est une erreur, ouais. T'as-tu déjà fait de l'amour en te regardant dans le miroir? C'est probablement déjà arrivé, mais c'était pas ça, là. C'était le premier, là. Non! Non, mais genre, tu baisses, tu fais comme... Ah, il y a un miroir. Ouais, non, c'est ça. Moi aussi, comme... Ouais, non, je serais pas sûr me regarder, mettons. Je comprends. Là, mais moi, j'ai la face que j'ai, puis je dois maintenir une érection. Fait que c'est difficile me regarder dans le miroir puis faire la deuxième affaire. Tu sais, se regarder dans les yeux, là. Se regarder soi-même. Ben, tu sais, il y a lui qui est dans le film qui le fait. C'est vrai. Ah, si je ressemble à ça, je le ferais tout le temps. Quand ça ressemble à ça. Christian Bale. Ouais. Je le ferais avec un masque de Christian Bale. Ah! Ouais. Ça serait bon. Hey, ça devient de plus en plus freak. L'étape suivante, c'est que je couperais la peau du visage de Christian Bale. Là, je me regarderais. Un masque comme complet, genre, que tu zippes en arrière? Zippe en arrière. Donc, genre, mission avec impossible. Avec cheveux. Avec cheveux. Mm-hmm. Je comprends. Pas mettre cheveux tout. Parfait. Parfait. Ça serait bon. Toi, si t'avais zippé une face sur la tête, ça serait quoi? Hey, je m'attendais pas à cette question-là, pour être franc. Des fois, ils te disent, il y a beaucoup de sujets variés. Zipper une face? Peut-être ouais. Celle de Simon Delisle. Oh, ouais! Je ferais juste y rajouter un zipper. C'est extraordinaire. Ça serait extraordinaire. Oh. Il va l'aimer, ce joke-là. C'est sûr, en plus. Ah, moi, je sais pas, hein. Tiger Woods. Ça tirait bien. Tiger Woods, ton corps, ça tirait bien. C'est vrai, c'est un style. Mm-hmm. C'est un style, complètement. C'est... OK, ben je vais le faire pour toi. Si oui. Un blackface intégral. Oui. Oui, c'est ça, c'est super. Avec ça prend aussi le gant. Un petit gant. Le gant ou la main? Juste la peau de la main. La main. C'est ouais. Ça devient très Hannibal, hein? Oui, complètement. Mon Dieu. Parfait, super. On va faire un choc vagal. Non, mais moi, les films gore, là, il y a des affaires que je peux pas regarder, là. Comme je suis traumatisée, là, tu sais, dans ça, quand elle a dans Décadence, là, quand elle a la tête dans une cage, puis que là, si elle ressort, ça y rentre dedans. Ouais. Ça, j'y pense souvent. Souvent? Wow. Oui. Comme des fois, tu jouais avec notre... Je me dis, mon Dieu, d'un coup que ça m'arrive. Comme des fois, tu jouais avec notre fille, tu y apprends des mots. J'arrête, là, je regarde dans le vide, puis je pense à ça. Ouais. Tu passes devant une animalerie, il y a des perruches dans une cage, fait comme, non, c'est pas... Oh. Mais tu sais, as-tu des peurs irrationnelles dans la vie? J'ai aucune peur irrationnelle, des peurs irrationnelles, oui. Les trous? Les trous. Oh, tu connais-tu cette phobie-là? Oui, trous. Comme y en a-tu qui ont ça? Par applaudissement que ça les rend inconfortables. Mais t'as-tu peur de faire l'amour? La tripophobie, si je me trompe pas. Il y a une fille qui l'a, puis ça fait le peur. C'est tu sais, mettons, des alvéoles. Tu sais, toutes des petits, tu sais, comme des petits trous. Ça me rend inconfortable. J'ai pas peur, mais ça me rend inconfortable. Mais il y en a que c'est pire que ça. Tu manges jamais de Cheerios. Il y en a qui sont... Mais oui, là, c'est... On est honeycombs. C'est des honeycombs. Des honeycombs, ouais. Des honeycombs. Non, j'en mange beaucoup de honeycombs. Mais pour de vrai, ouais, je pense que c'est la tripophobie que ça s'appelle. Puis on me dit que c'était. C'était instinctif. Que c'est parce que dans le temps, les hommes des cavernes ou whatever, là,
Ça fait rire. On parle tout le temps dans le temps des hommes de caverne. Ça fait. Ouais, je sais. Mais là, Julien, t'as dit, Moi, il y a des choses. Un peu comme les cocottes. Il y a des choses qui sont arrivées il y a 6 mois que j'en suis revenu. Ouais. J'ai comme l'impression que ce qui s'est passé il y a 450 000 ans. Point trop vite! Mais comme les cocombes pis les chats, mettons. Apparemment, la raison pourquoi que les chats ont peur des cocombes, c'est que ça, instinctivement, ça leur rappelle les serpents. C'est ce que j'ai su. J'avais aucune idée que les chats avaient peur des cocombes. Ça va pas? Mais oh, Chris, je vais tout vous apprendre. Avez-vous Internet? on fait la boule. On passe pas trop de temps là-dessus. Le soir, on se couche. Oui, les chats ont peur des concombres. Oui, il y avait des vidéos YouTube. Il y a des vidéos, il y a des compilations. Là. C'est clair que il a peur du concombre ou il a peur de la personne qui fait « Hey! Hey! » Il a peur du concombre. Il a peur du concombre. C'est ça, je suis pas sûr qu'il a peur du. J'avoue que moi, si tu me cours après avec un concombre, m'avoir peur. Oui, ben oui, moi aussi, là. Moi aussi. Guillaume! Ben oui! Pauvre petit chien tranquille. Avec la face de qui? C'est qui que t'avais tantôt? De Tiger Woods. De Tiger Woods, hein. C'est clair qu'il a peur, le chien, là. On a un film, là. C'est comme si c'était écrit. On peut commencer à tourner dedans. Toi, as-tu des phobies? Ah! Ben oui, là, la cage avec des morceaux de vitre. Non, mais moi, je suis quand même très claustrophobe. Genre, j'haïs les rideaux de douche. Ben, déjà, tu sais, qu'ils te collent après, ça, c'est next level. C'est là. Très renfermé, c'est très. Ouais, comme nous, nos rideaux de douche à maison, c'est juste la toile transparente. Puis là, ma mère est tout le temps comme, tu sais, si t'as besoin de sous, je peux t'aider, tu sais. Puis je suis comme, non, c'est juste, je vais. Et tout le temps, il y a des rabais chez Simons, tu pourrais acheter, là, tu sais. Puis non, je suis juste comme, sinon, j'étouffe, j'aime pas ça, tu étais censé te détendre dans la douche, là. Je suis comme, pourquoi je suis dans. Mets des pétales de rose. Ou, tu sais, comme quand j'étais petite, ça se traduisait, hein, tu sais, les jeux, mettons, chez McDo, là, tu te promènes dans des petits tunnels, puis des enfants de même. Puis j'avais peur que soudainement, c'est vraiment très, très bizarre, là, que genre le tuyau se ferme devant moi, se ferme derrière moi, puis que là je sois pogné genre à l'horizontale. Ça me fait freaker aussi là. Enterré vivant, mettons. T'es pas bien, là, t'es pas bien. Ben. Faut que tu parles. Non, c'est ça. C'est je ça. Il y a des choses qui vont pas bien. Mais non, je sais. Je bois les jamais à la bouteille, tu sais. Mais ça m'intéresse. As-tu d'autres peurs comme ça? J'en ai parlé d'ailleurs au podcast Poule Mouillée, podcast que j'adore, de deux filles que je salue, Véronique, Isabelle et Jessica. J'ai parlé de ma peur d'être enterrée vivante, puis là, je sais que c'est un peu anachronique, là, tu sais, mettons, à l'époque victorienne, c'était plus fréquent, là. Mais tu sais, quand ils retrouvaient des gens qui ont gratté, là, dans leur... Avec des ongles. Oui! Ouais. Oui! Puis tu sais, moi, ma question, c'est... Ça te prend combien de temps avant que tu te résignes? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est parce qu'avant, la science n'était pas ce qu'elle est. Là. Tu sais pourquoi ça s'appelle des croque-morts, des croque-morts? Oui, parce qu'ils croquaient! Ils croquaient leur tête, voilà, s'ils étaient morts. Des fois, c'était défaillant. Des fois, ça marchait pas. Oui! Ça avait ses limites. Non, puis c'est pas le choléra aussi que fait genre... Que avant les embaumeurs, c'était des fétichistes de pieds. Ouais! C'est-à-dire que là, ben, on va certains voir, d'entre eux. On va juste voir si elle est morte. Avec un chapeau de forme. Elle est morte. Elle est morte. Mais on est sûr. Sûr qu'elle est morte. Hein? Ouais. Mais moi, je me suis jamais senti aussi vivant. D'autres peurs? À part ce que moi, ce que je viens de faire, c'était la même phobie. À chaque podcast live, il faut juste quelque chose. Ben, faut. C'est un humour très physique. T'es le nouveau Michel Courtemanche. Pareil. Ouais, après l'haltérophile, c'est le. Ouais, en tout cas. Mais toi, t'en as-tu des peurs? Ouais, toi. Peur de rien. J'ai pas peur du silence, comme on peut voir. Fasse le bruit de bateau, genre. Non. C'est un échec. Ah, l'abandon. Mais pas de l'abandon.
Ah oui, c'est vrai, ça, complètement. J'ai parti à rire! Ah, c'est super, ça! Elle, ça a pris une demi-seconde, elle t'a abandonné. Non, fuck l'empathie. J'ai peur de l'humiliation, de l'abandon. Mais fais juste compter, genre, tu sais, mettons, l'abandon, là, ça se traduit au quotidien de manière vraiment... fucked up. Exemple, cette semaine, il y a une couple de jours, c'est, on est souvent ensemble. On est un couple. Oui, je sais, Asti, mais genre, on travaille ensemble, on fait des podcasts ensemble, tout ça. T'as l'air d'aimer ça avec moi. C'est pas tout le monde qui a cette on chance. On est tous ensemble. Le dos, elle a une bosse dans le dos, et comme ça. C'est pas tout le monde là, qui est chanceux comme ça. Fait des bruits de bateau. Hein? Mais cette semaine, il y a une journée où est-ce qu'on était pas ensemble de la journée, ou en tout cas jusqu'en fin de l'après-midi. Puis là, j'arrive à la maison, puis je vois qu'il est arrivé. OK. Oh. Je rentre. Je rentre. Puis là, je monte les marches. J'arrive, puis il est juste de même. Dans le salon. Comme un personnage. Il fait beau, là. Il fait beau. Milieu d'après-midi, juste comme ça. Puis il me regarde, puis il fait... Je sais que ça a l'air weird, mais je t'attendais pas. On dirait un personnage de jeu vidéo qui va te donner une quest. Mais là, il dit, j'ai vu que t'arrivais, c'est juste que j'ai quelque chose à te dire. Mais tabarnak, je comprends, mais genre... C'est quelque chose? C'était « je t'aime ». Non, c'était pas ça. C'était quoi? Mais ça aurait pu être ça, c'était mais... Quoi? Mais non, c'était genre une affaire. T'es pour... dit « je t'aime », je suis sûr. Non. Non! Mais de commencer avec la phrase « Je te jure, je t'attendais pas, mais... » Mais... Comme faire « Je te jure, je te suis pas. » Mais... C'est peu grave. Moi, j'ai beaucoup de mais toi. T'avais la même face que... Ah, mais là, je m'excuse, on voulait... Non, c'est pas grave, là, je vais brûler une joke. Mais en tout cas... C'est le métier, c'est ce qu'on fait en ce moment. Ils sont là pour ça, eux autres. C'est Tom. Ils sont pas là pour apprendre quoi que ce soit. Non, mais tu vois, c'est que peut-être qu'à ce moment-là, tu m'avais dit on va la faire en intro, puis là, je brûle une joke d'intro. Mais là, ça, c'est de la mécanique de. Wow. Ça intéresse personne. Mais. Hey, on va le reprendre. Ouais. On va juste couper, on va repartir la musique, s'il vous plaît. Fait que parle de l'avion, je vais rentrer. Je sais plus comment faire. Tom, quand il se fait prendre en photo, il a l'air... Tu sais, les photos au début du siècle dernier, quand les gens ils pensaient que ça volait leur âme. Tabarnak! Genre, oui! Comme... Allez, bon, oui, tout, mais oui. Tu sais, mettons, là, quand tu pars un petit slideshow de photos là, sur Apple TV, là, parce que là, tu sais, notre fille, elle a bientôt 3 ans, puis là, elle tripe sur regarder les photos tout le temps, là, puis là, elle est tout dingue, les photos. Bon. Fait que là, t'as ça, toutes ça, les photos... Elle a trouvé ça attendrissant. Mais non, mais... Tu sais, le destin t'as fait ça cute de même photo, là. Elle aime ça, moi, sa famille. Boring! Ça la rassure, voir les gens qu'elle aime. Non! Avec son petit regard émerveillé. Je m'ai pris sa fille. Elle a rien fait. Elle a pas d'opinion de rien, la fille. Elle a juste plein d'amour. Les gars, poursuivez, chérie. Et... Sur chaque photo où Tom est impliqué, que ce soit genre nous trois ou même, tu sais, comme à Noël, on a pris des photos de groupe, là, il est tout le temps genre... Ben, tu sais que j'ai observé quand, après mes shows, je prends des photos, ils font « Ah, Tom, tu prends une photo? » Puis je suis comme « Ouais, je suis super! » Ah, il y en a normal! Là, ils prennent une photo, ils font... Ils regardent la photo, ils font... Ah, ben oui, merci! Ou tu sais, quand le monde sont comme « J'en ai pris plusieurs, je pense qu'il y en a une de bonne. Oui. » Regarde, imitation, ça c'est la vraie affaire. Ça c'est moi qui prends une photo. Pour vrai, j'exagère rien. Je prends une photo. Ouais. On dirait que Steph est au musée Grévin. Puis il fait chaud, là. Mon musée Grévin de rêve, oh, wow. Ça serait un ça, musée une... Grévin de genre juste les grands moments de Mike Ward sous écoute. Mais en signe! Oui! Ça serait insane! T'imagines genre t'as le moment genre du bottin avec Tom pis Jean-Tom, t'as les Pic-Bois qui jouent au 25 cents. Ouais, t'imagines le sculpteur, il est obligé de sculpter. J'ai la craque de fesses de Bernatché. Oui!
Ça serait bon. Ça ouais. serait bon. J'entends qu'il tombe au centre Bragg, là. Tu mets les statues. Tout le monde juste debout de même. Ça serait tellement bon. C'est mon petit rêve. Pas toi? Je suis bon. Merci. Les musées, j'haïs ça, mais j'irais. C'est vrai? Mm-hmm. Tu ferais un musée de quoi, sinon? Là, t'ouvres ta bouteille. Toi, tu ferais un musée de quoi? T'es sain. Oh! Ah! Je tiens à dire que c'est sa réponse, t'es pas la mienne. T'es sain. Mais si tu peux pas faire un musée de j'suis juste... Capable. J'en ai juste une paire. Mais elles sont magnifiques. Est-ce que tu ferais comme différents moules? Non. Pis... Tout sain. Dépendamment de l'heure, la saison. Le matin, l'automne. Menstrué, pas menstrué. Enceinte, six mois. En colère. De bonne humeur. La tête en bas. Ouais. Ouais. Yoga chaud. Le musée des beaux seins. Avec un coup de soleil. Ouais. Je comprends. OK. Le musée des beaux seins, c'est ouais, fin. Tout qui se grappe. T'es fin. Tout le temps. Tu sais, t'aurais des séquences de l'histoire, mais avec ses seins, fait que t'as Janet Jackson au Super Bowl. Oui, les grands moments des seins. Ouais. Ou comme quand je m'étais fait piquer par une araignée, un moment donné, juste comme dans le creux. Je l'aime, cette araignée-là. Comme dans le total. Là, compris, tu t'es ramassé un total recall, genre. Oui, exact. Oui, puis j'ai encore un petit point. C'est bonne un affaire. Beau souvenir. J'adore cette araignée-là. T'as-tu des pouvoirs magiques, comme mépriser ta fille? C'est ça que... L'araignée t'a donné, méprisé ta fille pour juste t'aimer. Bon. Toi, pourquoi tu le prends mal, tu t'es mal, ok. Hein? Je sais pas. T'aurais un musée de quoi? Un musée de cire ou un musée de n'importe, ses quoi. N'importe quoi? Ça peut être ses seins, c'est correct. Hey non, là, il est déjà ouvert. Mais, non, mais c'est un musée de tes seins. Même juste le sacrifice. Juste genre des répliques de tes photos. Genre, mais peintes. Oh, c'est bien. C'est bien, ouais. Tu collerais-tu des petits macaronis dessus puis des choses comme ça? Ah, ouais. Ah, oui, ça serait juste des photos de toi, la Mariana Mazza. En dedans. Ouais. Je me crisserais des glitters dans la bouche, je te cracherais dans la face. Hein? C'est de l'or! 9 500 piastres! Yeah. T'es-tu habile de tes mains? T'es-tu un... Je dessinais jeune. OK. Longtemps, j'ai voulu m'aligner vers ça. Même, ma marraine m'achetait des crayons puis tout le kit. J'ai longtemps dessiné. T'as eu donc accès à des crayons? Tout le kit, j'ai des crayons, non, mes crayons de dessin puis tout le kit. Oui, oui, tu as juste acheté des dessins, mais c'est comme tout le kit. Mais, tu sais, j'avais les HB, les 1B, les 2B, les 4B. Ouais. Ah, wow! Y en a qui savent de quoi je parle, hein? Oui! Puis, c'est ça. Puis, à un moment donné, ça s'est comme perdu avec le temps. J'ai trouvé d'autres centres d'intérêt. Mais j'aimais bien ça, dessiner plus jeune. Ouais. Qu'est-ce que tu dessinais? Beaucoup de bonhommes. Moi, c'était très bande dessinée. Okay. J'avais un ami. Ouais. Toi, tu dessinais des seins. Facile. Un peu. Tu pognes un compas, là. C'est là où je mens. Tu fais juste le rap. J'ai trop ri cette blague. J'avais un ami très habile en dessin. Une fois, j'étais allé chiller chez lui. Il m'a montré qu'il a dessiné chaque fille de notre classe toute nue. Ah! Ouais. Mais ça, c'est illégal! J'avais des années. C'est illégal! C'est illégal! On va pas mettre en prison ce gars-là aujourd'hui. Il a 36, il a 34 ans, quelqu'un. Mais c'est à quel primaire, secondaire? Primaire. Primaire? Tout nu? Oui, mais t'es pas. C'est comme avec des femmes. On sait pas ouais, quoi ça va faire. Mais au primaire, tu dessines des bonhommes allumettes, ils sont à peu près tout nus, aussi. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Là. Mais il avait exagéré. Oui, puis à quel point les visages ressemblaient réellement aux Les visages fait... ressemblaient. Arrête! C'était bon. C'était peur, hein? Ben! Oh, pour être, oui, c'était un peu peurant. Hein? C'est peurant? Ouais. Ouais. Pour vrai, tout le monde, c'était peurant? Hein? Ouais. Ouais. Et étonnamment, ce jeune-là ne clignait jamais des yeux. Il dessine de même. Il y a aussi les armes à feu. Là. Mais non, mais c'est spécial, non? C'est sûr que c'est super. Puis le fun. Comme c'est comme le prof à l'École nationale de l'humour. Toi, t'es allé, t'as-tu ton fréchette? Non, j'ai pas mon fréchette. T'as pas ton fréchette? C'est juste ceux qui étaient en humoriste, genre? Ouais. Okay. Est-ce que tu peux expliquer aux gens c'est quoi un fréchette? Ouais, il y a un prof à l'École nationale de l'humour à chaque... cohorte, il est peinture,
Puis tout dépendamment s'ils aiment bien l'élève ou pas, ben la peinture est plus réussie que d'autres. mais c'est tout un peu... Cette sonnerie est épouvantable. Oui, c'est quoi ça? C'est quoi la toune? Non seulement tu devrais arrêter, tu devrais pas avoir cette sonnerie-là. On dirait un Zelda, c'est épouvantable. Ouais. Ben, c'est vrai, c'était cool. Quoi la chanson? Ah, arrête-la pas surtout, hein. Arrête pas la sonnerie. Laisse-la jouer pour qu'on l'entende à quel point il a pas de goût. Ah oui? Est-ce qu'on est en train de le chasant ou quelque chose? Tu sais, quelqu'un sait c'est quoi la toune? Ah, fini. Super. Ah, ça repart! Je pense que ta mère a vu que tu rentres à la maison. Parce que c'est clair. C'est qui? Ben voyons. OK. Super. Ben là, êtes-vous médecin? Devez-vous... Non, il n'y a pas de médecin ici. Il n'y a pas de médecin ici. Il n'y a pas de médecin ici. C'est sûr qu'il n'y a pas de médecin ici. Il n'y a pas de médecin vous ici. Vous venez de voir la façon dont Stéphanie mais vous oui, voit. C'est-tu un vrai avion? Il y a-tu un médecin? Il n'y a pas de médecin qui nous écoute. Il n'y a pas de médecin qui nous écoute. C'est sûr. Avez-vous ça, le journal? Oui. Vous avez accès à des crayons. C'est le Canadien de Montréal. Il y a une équipe de hockey. C'est ma première question. T'as déjà sniffé du gaz, toi? J'ai pas eu tort. Il savait. J'ai pas eu tort. C'est oui, j'ai jamais respiré d'essence. Bravo. C'est une bonne affaire. Bravo. Mais toi, oui. Ah, ben oui, mais à station-service. Ah, oh, enfant! T'es juste enfant! Ah oui, super! J'ai respiré de l'essence, puis à la station-service où il y en a beaucoup. C'est extraordinaire. J'ai jamais pris d'héroïne à part dans une piquerie. Ben justement, c'était safe. Oui, ils peuvent t'aider. Le commis qui a pris un jujube au pote, il peut venir t'aider. Oh, Guillaume, présent. Je veux qu'on parle de quelque chose de super important puis vraiment cool que tu as fait cette année, c'est que tu as fait un show bénéfice pour une fille de ta région, une fille trans qui avait subi beaucoup d'intimidation à son école. Chloé Guillemette. Ouais. Explique-nous dès le départ. En fait, c'est une jeune fille de 15 ans trans qui était victime d'intimidation à mon ancienne école secondaire, ouais. Où moi-même j'ai vécu l'intimidation quand j'avais 15 ans. Puis son histoire se rapprochait beaucoup de la mienne. Ouais. Puis je trouvais que ça m'a vraiment touché puis percuté. Comme. Puis sur le coup, j'ai comme peut-être un coup de tête, j'ai plein d'amis de la communauté LGBT qui sont humoristes puis qui sont des artistes incroyables. J'ai comme, je vais les faire venir à Alma. On va organiser un show. Moi, je vais me tasser. Mm-hmm. J'ai donné 100% de la scène à toutes mes amis de la communauté. Puis, on a organisé un show, puis on a remis des fonds à Entraide Trans Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a été décidé par Chloé, l'organisme que Chloé a décidé. Puis après ça, t'as comme t'as Pride Trans Montréal qui se sont joints à nous, puis que comme un moment donné, tout s'est emboîté, puis ça a emboîté. Puis le lac Saint-Jean est sorti. Puis ça a été un succès, on a ramassé 4 000$, puis Et surtout, c'est le message de... On a réussi à faire durer le message de Chloé dans les médias. T'sais, ça n'a pas duré juste 3 jours. Puis on a fait durer ça pendant 2-3 semaines, 1 mois. Ouais. Fait que, c'est pas mal une des plus belles choses que j'ai faites dans ma vie. Félicitations. Ça, puis tu sens plomb. Gang, si vous voulez un show gratis dans votre région, intimider des gens ostracisés, Guillaume va organiser un show, c'est génial. Non, je déconne, pourquoi c'est grandiose, c'est vraiment, vraiment beau. Ouais, mais merci. Est-ce que tu sens qu'un peu les mentalités sont en train de changer? Non, c'est comment grandir où t'as grandi? Ouais. C'est super le fun. Moi, j'ai grandi à Alma, au lac Saint-Jean, puis c'est un endroit que j'adore, OK? Culturellement, il y a de la musique, il y a des gens qui sont mais là pour s'occuper. Tu serais pas impliqué dans la communauté si tu s'en calissais, tu sais. Comment? Tu serais pas impliqué si tu s'en calissais. Dans la communauté, si je m'en crissais, ouais. La seule raison pourquoi, genre, je suis venu à Montréal, c'est pour faire de l'humour. Et c'est que, tu sais, je suis pas quelqu'un de plein air tant que ça. Je me suis rendu compte, avec le recul, que, moi, Alma, c'était peut-être pas ça. Tu sais, je m'ennuyais un peu, Alma. Puis ce qui est pas le cas de tout le monde, là. Je veux dire, chaque personne est différente. Mm-hmm. Mais moi, c'est ça, je me suis rendu compte que je consommais pas. J'ai été une bonne partie de ma vie un peu à chercher ce que je voulais faire. On est deux, je comprends. Ouais, c'est ça. À 30 ans, ça a changé quand j'ai déménagé à Montréal. Mais j'aime ça retourner dans mon coin, j'aime ça m'impliquer dans l'endroit, j'aime ça organiser le plus d'affaires possible. Il y a des gens merveilleux qui, tu sais, les Sam Gingras qui roule le Café du Clocher, où il fait venir des bennes légendaires de Californie dans son petit bar de 100 places. Puis ça, tu sais, culturellement, Alma, le lac Saint-Jean, ça grouille pétille. Beaucoup. Puis c'est le fun de voir tous les gens s'impliquer dans le coin. C'est comment grandir, Alma?
C'est quoi vivre à Allemagne? Ben, c'était le fun. Ben, c'était correct, là, tu sais, comme j'ai dit. Non, mais c'est parce que j'ai eu... J'ai été victime d'intimidation pas mal quand j'étais jeune, fait que ça a été plus rough pour moi, mais, tu sais, en vieillissant, m'amener vers 16, 17 ans, ben, genre... T'as pris de la masse. Les gens vieillissent, puis tu t'as refait un cercle social, puis c'était aussi ça, de démontrer ça avec ce show-là, de montrer que, ben, genre, tu sais, c'est pas quelque chose de c'est pas une fin en soi, là, je veux dire, l'adolescence. Ça passe. T'as l'impression qu'il y a rien qui va, changer, que c'est ultimement, ça va être ça ta vie, puis c'est pas vrai. Ça dure 2 ans. Ouais, les gens qui disent à des adolescents, c'est les plus belles années de ta vie, profite-en, arrêtez. Non, c'est pas vrai. Arrêtez. C'est pas une finalité, tu sais. C'est comme, un moment donné, ça arrête, puis tu te trouves. Peut-être que si les plus belles années de ta vie, c'est entre 12 et 16 ans, t'as gâché ta vie. Ben, il y en a beaucoup que c'est ça, là, que les plus belles années de leur vie, c'est à 16 ans. Pas dans 4. Non, je me rappelle pas. Ouais, j'ai fait ça. Autre chose. J'ai évolué. Ouais. Ou tu sais, quand tu croises quelqu'un qui était super beau au secondaire puis qui est devenu laid, puis t'es comme... Ouais, puis que les highlights... The tables turn! Puis que les highlights de sa vie, c'est à cet âge-là, là. Ben oui, c'est ça. Hey, te rappelles-tu le toucher que j'ai fait? Tu sais, comme on s'en calisse. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est juste de démontrer aussi que c'était pas une finalité, puis que les choses changent, puis changent, puis... Ouais. C'est cool. Je me souviens d'une chose qu'un gars m'avait dit une année pour être méchant avec moi. Puis il m'avait dit... Tu n'auras jamais de musée des seins. Tes seins ne méritent pas de musée. Non, il m'avait dit... c'était quoi notre discussion. En tout cas, je sais pas, c'était une discussion quelconque. Là, mais il m'avait regardé puis il m'avait dit, c'est quoi? Le poil, il est à la mode. Puis j'étais comme... Hey, bon! C'est méchant, c'est bon. Thomas, il est comme, killer! All right! Hey, bon! Ça fait mal, mais... Hey, non. Ben, t'sais, le bout qui a gâché ta vie, là, c'était pas pire. Non, mais bon. Mais ça m'avait tellement resté bouche bée parce que j'étais comme, c'est tellement malgré moi, tu sais. Je sais pas quoi faire avec ça. Les enfants sont méchants. Mais à quelle heure, c'est le secondaire? Ouais, secondaire. Quand même. J'étais comme, voyons, c'est bien éveillé. Un party ou à l'école? À l'école, en classe d'art plastique. Genre. Pas bien, cet homme-là? Je sais. Ouais. Il est devenu police, c'est pas une joke. Je vous jure, c'est pas étonnant. C'est pas une joke et c'est pas étonnant. Wow! Il y a un revolver. On s'est recroisés après. On s'est recroisés quelques années plus tard parce qu'on faisait notre cours de conduite ensemble. Puis là, lui, il savait que j'étais un peu une petite bolée, genre. Fait que là, il était comme, « Hey, elle va pouvoir m'aider avec mes cours théoriques, puis nanana. » Puis j'étais comme, « No fucking way, man. On va pas faire nos devoirs de cours de conduite ensemble. » Ouais. Wow. C'est hein? Grosse revanche. Affirmez-vous. Pas d'algèbre pour vous. Je sais pas, c'est à qui la priorité de tourner sur ce pictogramme. Je sais pas. Tu trouveras tout seul. Wow. Ouais. Ah, t'es déjà intimidée? Oui, un peu aussi. J'ai été méchante avec quelques personnes. Ouais. Plus des gars ou plus des filles? Des filles. Qu'est-ce que tu leur disais? Le poil, c'était à mode? Non, tu... ben non. Ben non, parce que je voulais pas qu'ils fassent miroir. Je comprends. Les systèmes de défense. Non, je me souviens qu'un mané... C'est vraiment... C'est que c'est con aussi, là, mais... J'ai rien d'une fille parce qu'elle lisait Harry Potter. Inacceptable. Elle était comme, c'est vraiment bon, pis j'étais comme, ah non, c'est full bébé, nanana. Pis là, mané, je me suis mis à les lire, fait que là, il fallait que je les lise en cachette, est-ce que? Ça, c'est beau. Ça, c'est poétique. Quoi d'autre? Ben, je me souviens pas, là, tu sais. Okay. Mais voyons, là, je suis un peu un registre de toutes les niaiseries que j'ai dit. Je comprends, on les oublie, hein. Ben, une chance. Toi, tu t'intimidais-tu ou tu te faisais intimider? Tout. Ouais. Moi, je suis toujours tout. Des fois, je me faisais intimider, des fois, dans la même minute. Ouais, tout. Dans la même minute? Ouais. Ça m'a toujours. Ben, je comprends qu'il y a des gens qui sont intimidés au maximum, il n'y a pas de problème, là. Mais. Non, mais j'y crois. Non, mais. Il mérite! Non, mais j'ai beaucoup de difficultés qu'on entend. Moi, j'étais intimidé à 100%, puis je me suis jamais vengé, puis. Généralement, l'intimidation, ça va dans tous les sens. Ça va dans. Ouais.
Ouais, je pense que j'en ai fait aussi un peu. Oui. Je pense que ça devient un peu système de défense. Mais tu sais, moi, c'est aussi, on se dit, ça a été tellement loin que, genre, j'ai doublé plusieurs fois, j'ai raté, puis il a fallu, j'ai décroché de l'école, là, parce que j'étais plus capable d'aller à l'école, parce que ça me rendait malade. Puis, mais avant que ça arrive, j'avais doublé comme deux fois. Fait que là, je me retrouvais avec des plus jeunes. Puis là. Des plus petits surtout. J'avais, non, mais là tu sais, c'était correct. Là, j'intimidais pas parce que là, j'avais un cercle social. J'avais comme. Fait que là, les études ont pris le bord. Puis c'est là que j'ai lâché l'école. Parce que là, je faisais de la radio, je faisais du journal. Je faisais tout sauf étudier. Parce que là, j'avais du fun, j'avais des amis. Puis j'avais. Mm-hmm. Fait que. Ouais, mais. Puis même encore aujourd'hui, j'ai encore des relents de ça, de genre. Il y a des journées où je suis plus extraverti, des journées que je suis complètement introverti, que je suis pas capable d'aller vers les gens. Pis... Oui, tu pensais que je t'haïssais. Raconte la fois où tu pensais que je t'haïssais. Ah, oh, mais oui, mais Chris, si. Non, mais quand je l'ai vu, on se croise, tu sais, puis on avait fait des shows ensemble, on s'était déjà parlé, puis tout. Mais maintenant, je le croise à l'Abreuvoir, j'étais comme salut Thomas, ça va? Puis il fait non! J'ai gelé, puis je pensais qu'il m'aimait pas jusqu'à temps qu'il m'invite à couple ouvert. J'ai fait ah, ben Chris, OK. On est en bon terme. Ouais, je suis bête. Ouais, je suis désagréable, mais pas j'ai toi, comme juste... compris avec le temps. Non. C'est bizarre, tu sais, quand tu réponds comme ça à quelqu'un, il pourrait penser, là. Non, 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 mais, même encore, mais c'est un bon exemple parce qu'une journée, j'aurais pu comme le prendre en riant, whatever, puis tout, puis cette journée-là, ça a fait. Mm-hmm, avant, je buvais, puis tu sais, comme ça m'aide, une ou deux bières, ça t'aide à t'extérioriser face aux autres. À ce temps, je fais juste assumer mes journées un peu plus introverties. Je fais comme, ben, gars, à soir, je file pas pour prendre un verre avec les autres. Je reste chez nous. Pis. Des petits moments. Je lis Harry Potter en cachette. En cachette. Ouais, tu te souviens pas de. C'est quelque chose que t'as dit ou que tu t'es fait dire? Ah, moi, c'est mon attitude. Moi, des fois, je suis trop. Non! Ouais. Je pense pas que j'ai des phrases assassines, mais des fois, c'est. Ça fait 10 minutes, là. Tu pourrais arrêter de parler, là. Ouais. Moi, un de tes tics qui me fait beaucoup rire et que je te call out tout le temps, c'est que. Qu'on soit un petit groupe, là, qu'on soit juste, mettons, nous trois au resto, au souper de famille. Il y a tout le temps un moment où tout le monde est assis et pour une raison que personne s'explique, Thomas est debout. Puis là, on est comme assis-toi, puis comme non, je suis bien debout. Ah, mais des fois aussi, moi. C'est vrai? Je sens un peu de mon père, je pense. Mon père est le même aussi. Puis ouais, père, des fois, le monde est assis, je suis bien debout. Ah, c'est à cause de ça, toi? Ouais. Parce que ton anus te pique? Oui. Que tu restes debout? Mm-hmm. C'est quoi ça? Mais à quoi ça change que tu t'assoies? Mais peux bouger mes fesses. Si t'es sur la chaise, tu peux non, faire je ça. Je préfère être debout puis bouger mes fesses. Hein? Mm-hmm. Dans le vide? Ouais. Il y a tout le temps une petite samba qui se prépare. Tu restes debout parce que le cul te pique. Ouais. Ben, vous l'aurez appris. Hein? Tu fais du stand-up. Ah! Dit... Non, mais il y a peut-être une cause. Mais y a-tu un médecin? Non, c'est vrai, il n'y a pas de médecin. As-tu déjà fait de la motoneige? Oui. C'est comment? J'avais vraiment aimé ça, mais comme je pense pas que j'en ferais une passion. J'aime ça. J'ai aimé ça comme une fin de semaine de temps. On était dans un chalet chez le frère à mon oncle, puis qui a bien de l'argent. Fait que, tu sais, skidou, quatre roues, on faisait ça sur c'est son lac à lui, il y a une grosse terre. Puis j'ai passé la fin de semaine sur le skidou, puis j'ai eu bien du fun, mais tu sais, je sais pas si. Tu sais, c'est un gros loisir, là. Tu sais, y en a-tu qui font beaucoup de motoneige ici, par applaudissement? Tu sais, d'aller te perdre dans le bois, puis là, de pogner ton skidou, puis là, de tu sais, ça fait partie du loisir, de le dépogner. Vous d'accord? Ça fait partie du loisir de dépogner le skidou? Ouais! Wow. C'est donc bien hilarant, je vous adore! OK, là, je vais en faire. Ben, c'est parti-là. C'est quoi, là, que j'admire? Mais c'est vraiment cool. Mais c'est parti-là, moi, c'est... Ouais, c'est vrai. Ouais. Hein? Puis tanké, j'aime bien ça. J'ai jamais fait de motoneige, mais j'ai fait du quad. Ah, oh, ouais. Méprise! Je vais mettre juste être sûr que. C'est méprise! C'est pas. Ah, C'est-tu le 4 roues avec les chenilles, ça? Ben, tu peux mettre des chaînes si tu veux, mais t'es pas obligé. Là. Ok, c'est un quad. Roues. Ben, c'est quoi? Y a-tu un autre nom? Non, il dit méprise. Un 4 roues. Un 4 roues. Ah, t'as la tique du méprise. Ah, mais toi, tu parles des côte à côte, genre, c'est-tu ça? Ben, un side by. Ah, ok, oui, c'est ça. Un côte à côte, genre. Side by side. Je sais pas, il y a 4 roues. Puis. Tu tiens de même, là? Tu tiens de même? Le métro. Ça, c'est le métro de la ligne verte. C'est pas bien, là.
Hey, mêlée à votre femme. Excusez-nous, là. Excusez-nous, là. C'est péril-cam, ça, Chris. C'est pas... Un quad. Oui. Tout avec tout. La ligne orange. Tu sais, tout le temps, un gars qui pisse. Il y a un gars qui pisse. Il y a un gars qui pisse. Tu payes pas ton billet, on te frappe. Mais non, mais... En tout cas, moi, je me tenais de même, les gars, mais... Il y a toujours un gars qui joue de guitare, c'est jamais bon. Non, mais... En fait, c'était... C'était l'été, par exemple. Des fois, il y a des suicides. OK. Hein? Oh. Ça m'est arrivé, moi. De suicider? Non, de... D'en voir un? Non, mais d'être dans le métro qui arrêtait sec. Ah! Puis là, t'attends. Puis ouais, c'est peut-être rough un peu. Un peu, mais on est dedans. Mais on est dans le métro, ils on était proche de la sortie. Hey, comment vous tuez ici? OK, non. Mais ils font... Après ça, ils s'installent puis tout avec des bâches pour te couper la vue. Puis après ça, ben là, on passe à côté de... Ouais. Oh. Hein? Fait que ça arrêtait ça. Il n'y a pas de punchline. Tu fais juste nous rappeler juste le suicide. On le savait qu'on était. Ouais. Bon, ben je vais enchaîner avec mon anecdote de 4 roues. Ouais, excuse-moi. Que tu tiens de même. Je me tenais de même. Mais c'est, en fait, c'était au chalet d'un de mes amis. On venait d'aller se baigner au lac. Puis, c'est un ami de longue date. Puis, ses parents habitent dans cette région-là. Oui, puis de là, de la maison. En campagne. C'est sûr qu'il habitait là. Je veux dire. Mais non, mais en tout cas, mais je veux dire, ses parents sont là, c'est important. Là, c'est excuse-moi. Okay, bon. Parce que... Mettons, je suis moins agressif. Oui, peut-être le podcast va être meilleur. Chris! Elle commence une histoire. Fait que là, je cherche un ami. Ben oui, c'est ça. T'as tes amis. Bon, oui, c'est ça. Elle, a pensé ça de toi? OK. Bon, fait que là, on revient du lac. Puis le père de mon ami, il vient de s'acheter un 4 roues. Puis il trippe bien raide, tu sais, puis je comprends. Puis ça fait, c'est ça, c'est un ami de longue date et tout ça, fait que je connais bien ses parents, je m'entends super bien avec eux autres et tout. Puis là, son père, il fait « Hey, Stéphanie, viens faire un tour de 4 roues. » Puis là, moi, ben c'est certain, est-ce que tu fais que j'arrive? Ben là, moi, je reviens de un peu plus, il y a les mimes, t'es enthousiaste. Mais je suis en bikini, là. Oui, c'est excitant. Fait que là, j'embarque, puis là, on s'en va dans le bois, puis là... Là, j'ai mon petit top de bikini, puis le moment donné, je fais « c'est inapproprié ». Ton sein est sorti? Non. Tu as ce bout-là, dans la musique? Ouais, c'est ça. Si tu le disais pas, c'est moi qui le disais. Oui. Le film à la fin, tu sais, il y a une petite salle où c'est écouté, tu finis. Merci d'avoir été là. C'est juste un ralenti. Mais c'est un bon musée, C'est mieux que le musée de l'art, là. Ben, c'était ça. Fait que j'ai inventé ça. Pourquoi je méprise votre région? Excusez-moi. Encore, mais oui, tout le temps. Ton, hein, ouais, aujourd'hui. Ouais, pas juste aujourd'hui. Pas mal. Je trouve que la véranderie, ça y fait pas. À chaque fois qu'on traverse. Mais, oui, fait que c'est ça. Fait que, Mané, j'ai fait, on peut retourner, là, tu sais. Est-ce que tu couchais avec le gars? Pas le père, mais le... Non, il est gay. Oh. Il y a eu de la déception! Ah! Ouais. As-tu déjà couché, moi, un homosexuel? Pas que je sache. Ben, on le sait, Mamie. Ben, moi, mettons, j'ai perdu contact, là, peut-être que... Ah, OK, je comprends. Peut-être que, tu sais, je sais pas. Es-tu tombé en amour avec un homosexuel? Non. OK. Pas de temps à perdre. C'est pas faux. La businesswoman, là. Chris, la vie est assez courte. Non. Je comprends. Toi, à l'inverse, là, tu sais. J'ai dit longtemps que je tombe en amour avec des lesbiennes. C'est vrai, hein? Ouais. Ah oui, pas tomber en amour, mais de virer de bord. Plus, hein? Tu tombes en amour avec... Qui pense ça? Plein de monde bizarre. Plein de monde pense ça. Va te changer! Ouais, c'est exact. Ah, oui. OK. Il y a des gens qui pensent ça. Il y a des gens qui pensent... Qu'est-ce que tu pensais, je te virais de bord? Ben, le chemin n'a pas été le même, hein? Je t'en prie, qu'est-ce que tu pensais? J'ai pas envie d'en parler! Bon, on t'écoute, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu pensais? Laisse-moi tranquille! De l'humour, qu'est-ce que tu pensais? T'es un tramp stand. Je pensais juste à me virer de bord comme quand tu fous pis surveiller quelqu'un. Pis tu fais ça? Non! Moi, mon fantasme, c'est faire ça avec des femmes gays. J'aime ça virer de bord des femmes gays qui ont accepté de coucher avec moi. Parce que tout le monde sait que quand t'es gay, le seul homme avec qui tu couches, c'est moi. Je suis l'exception. Non, la vérité, je suis tombé souvent en amour avec des femmes qui, on me disait, ça arrivera jamais. Puis c'est quoi? Je pense qu'elle aime les femmes. Oh, OK, oui. Ah, ouais. Je comprends pas, on a écouté plein de games de football là. Ouais, c'est peut-être un stéréotype, ça, je sais pas. Mais c'est pas un stéréotype qui fait très mal. En tout cas, une gay qui fait... Ça, non. Ça, c'est mais par contre, moi, mon imitation, c'était très... De la femme gay fâchée. Ouais, ça, c'était pas... C'était pire. Tu devrais la faire tout le temps. C'est vraiment bon. La femme gay fâchée. Oh, c'est bon. J'étais bien donné. Ben.
C'est ça? Ok, bon. Je t'ai bien donné. Oui. Serais-tu une bonne lesbienne? Non, parce que je ne tombe pas amoureuse des femmes. T'aimais ça? Ben là, si t'aimais des détails. Ok, ben je serais pas bon parce que. Si j'évacue l'amour. Mais je pense que même juste physiquement, mais tu sais, j'en ai déjà parlé un peu, là, mais comme quand j'ai eu des expériences sexuelles avec des femmes, j'ai pas tant trippé non plus. Tu sais, même la mécanique, on dirait que je l'ai pas. Là. J'ai dit, tourne-toi de bord, puis tourne-toi de bord. La prenne! Tourne-toi de bord! Aimerais-tu être une femme gay? Je suis bien comme je suis. Être une femme gay, non. Le corps que j'aime va. Toi, t'aimerais-tu être une femme gay? J'adorerais ça. Ouais, c'est ça. J'aimerais tellement être une femme gay. Je l'ai vu dans tes yeux, là, ça aurait fait une bonne photo. Chris, on sait quoi te dire maintenant pour te faire sourire ces photos de famille. T'es une femme gay. Ciseaux! T'es une belle lesbienne. À go, on dit ciseaux. Non, j'adore être une femme gay. Qu'est-ce que ça serait quoi ton métier si t'étais une femme gay? Humoriste. Non, mais parce que moi, je t'imaginais genre habiter genre à Val-David puis faire des toiles, genre. J'aurais pas pu. Et travailler à temps partiel au village du Père Noël. Ah, exactement. Oui. Oui, non, mais non, à la quincaillerie. C'est à Val-David, hein, le village du Père Noël? Oui, exactement. Moi, je serais architecte. Oh, mon Dieu, OK. Ouais. Soudainement, t'as fini ton secondaire? Oui, architecte. Ouais. Soudainement, tu sais manier l'équerre puis calculer des angles. Bravo. Oui, oui. Mon oui. Dieu. Je veux pas être gay, je veux juste avoir une éducation. Moi, je mélange les deux. Il faut un mélange. Hein. Je veux pas le corps d'une autre femme dans le corps d'une femme. Je veux juste être capable d'écouter un cours à une heure. Juste pas être stressé à l'examen, c'est ça mon vrai désir. C'est vrai, t'avais de la misère à écouter pendant une heure? Oui, parce que j'étais. Pourquoi c'est pas moi qui parle, Chris? Je comprends. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu te sentais aussi à l'école? À l'école, ben tu sais, avec tout ça, je suis TDAH diagnostiqué, comme un peu tout le monde, hein? Non, ouais, j'avais clairement des problèmes de concentration, tout le kit, puis. On disait quoi? Non, c'est pas vrai. Mais ouais, j'ai de la misère à me concentrer, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, ouais. J'ai pas, moi, un coup que j'ai fini mon secondaire 5, je suis retourné le finir à 28 ans, 29 ans. OK. Puis, weird, la polyvalence. J'étais bien content, là. Je veux dire, j'irais pas au cégep, j'irais pas à l'université. Comment? Ça devait être weird. C'était weird, la polyvalence. Ouais, mais là, c'est moi qui intimidais, puis. Non. Mais j'ai travaillé comme agent de sécurité dans des écoles secondaires aussi. Pardonne-moi? Ouais. Je retournais me faire intimider, calice. Hein? C'est quoi la tâche d'un agent de sécurité à l'école secondaire? Crier, puis avoir des élèves sans calice. Enlève ta calotte. Non, mais ça se rapproche beaucoup du travail social, dans le sens que plus tu fais de prévention, moins t'as à faire de la discipline. Puis, tu caches moi, j'aimais ça. C'est le seul contrat que j'aimais. J'ai fait 7 ans de sécurité, puis c'est la seule chose que j'aimais un peu. 7 ans de sécurité? Ouais. Ça pousse à écrire des jokes, hein? Ouais, c'était pas une belle période. J'étais pas super heureux parce que j'aime pas être dans la confrontation. Puis guess what? C'est rien que ça. Mais j'aimais l'école secondaire un peu plus parce que justement, t'étais dans la discussion plus. Puis ça, j'aimais beaucoup ça. Fait que je voyais les jeunes avec le t-shirt de Ben. Je faisais comme, hey, tu sais, je les ai vus 2-3 fois un jour. Après ça, tu deviens chum un peu avec. Mm-hmm. Mais enlève ta calotte. Moi, au secondaire, il y avait des gardiens de sécurité aussi. Ouais. Qui s'occupaient notamment d'ouvrir la section des casiers. Était fermée par des gros grillages. Je sais pas si vous aviez ça, vous autres, dans votre école secondaire. Ouais? Oui. Nous, à chaque fois que les grilles étaient comme fermées puis qu'on attendait, parce que là, ça prenait un certain temps avant qu'ils arrivent, est-ce que vous vous souvenez, là c'est peut-être trop niche, là, mais tu sais, j'en vois ça là, dans l'univers, puis sûrement que Philippe Audry va savoir exactement de quel moment je parle, dans le film Titanic. Mesdames et messieurs, Philippe Audry. Quand les passagers de troisième classe peuvent pas accéder. Oui, la cage. Il y a un grillage. Avec le banc. Puis là, il crie, il y a des femmes et des enfants! On faisait ça tout le temps. Tout le temps!
Hey, moi, j'aurais fini l'année en décrissant un bac. On y va all-in. On y va, on le fait au complet. Fini l'année ou le troisième jour? Habillé en époque. Avec une petite carrette. Non. Moi, j'irais mettre Fabrizio, la bête. Fabrizio! J'ai gagné mes billets au poker, moi, monsieur. T'aurais-tu joué jusqu'au bout, toi, si t'étais dans le band de Titanic? Vous t'aurais fait ton aide, personne. J'aime ça que tu sois. Le band. C'est un point de soir à corps. J'entends le band du Titanic. Mais là, t'es en train de mourir puis tu entends jouer. Moi, j'en aurais frappé un. C'est pas le temps, gang. Mais c'est vraiment. Donne-moi ta contrebasse, tu vas aller. Tu cours vers le bout du bateau puis tu fais juste. Il y a colle ça. Mais moi, la chose que je me demande, parce que tu sais, dans le film, on le voit que maintenant, ils font comme. Oui, on continue à jouer. Ouais. Mais on voit pas à partir de quel angle il arrête. Okay, wow! T'es capable de jouer de la contrebasse jusqu'à quel degré dans le plancher? Après le gars qui se pète sur l'hélice, ça aurait été bon de voir un gars qui court et qui reçoit une contrebasse dans la face. Puis on s'entend, c'est la contrebasse qui arrête en premier. T'es capable de rester plus stable plus longtemps que ton bras. Les gars! Ce moment-là aurait été bon. Exactement. Exactement. Du moins, je l'aurais mis dans les bonus, moi. Oui! Oh, ouais! Oh, ouais! Oh, ouais! C'est ça, c'est la contrebasse qui aurait été en premier. Tu es une femme, tu aurais pu être sur le bateau. Qu'est-ce que tu aurais fait pour survivre? Oh, Titanic? Ben, j'aurais trouvé une porte. J'aurais là, je l'aurais enlevé. Dès le départ, je me serais caché une porte. Non. Ben, pour survivre, ben là, c'est dur de pas se référer à eux, ce qu'ils font. Je dirais, ben, j'aurais embarqué dans un canot de sauvetage. Jusqu'à temps que quelqu'un se rende compte que... Je me serais volé un enfant, là, comme l'autre, ben oui. Chacun pour soi. Ben oui. Je l'aurais élevé, là. Je l'aurais aimé. Mais oui, tu sais que les meilleurs parents, c'est ceux qui les kidnappent. Ben oui, absolument. Ah, mais là, il y avait un contexte. Ah oui, c'est ça le problème avec Billy Zane, il y a un poil comme. Pas juste. Ouais, toi, t'aurais-tu survécu ici? Non! Fait quoi? Moi, j'aurais été en déni tout le long. Tout le long. J'aurais fait, ben non, ça va se régler. J'aurais vu le gars qui. Paf! J'aurais fait, ben non. C'est ça va se régler. Ils vont trouver un moyen. Ça va se régler. Pourquoi je suis tout seul au table de Baby Food? Ben, ça va se régler. Ça va où tout le monde? Voyons! Skin! Ça va se régler. Donne-moi les sonores pour rien. Sinon, c'est une aire. Ouais. Ah ouais, hein? C'est bon, genre. À partir de quel angle t'en penses? Non, je te parle pas d'eau, là. Mais l'angle, là. Même si, mettons que t'es dans une zone qui a pas d'eau, l'angle. Mais je me dirais, je rêvais, hey, mon amour, tu vois, je m'entraîne. Tu sais, parce qu'il y a aussi, tu sais, c'est. Ça sert à ça. Ça sert à ça. Si je perds mon temps, mais tu sais que le juge qui est tombé, c'est pas moi, hein. Pas le Titanic, ça, c'est le métro. Parce que moi, j'avoue qu'il y a un moment qui me fait. Rip qui devrait pas. Je me souviens plus c'est quoi le nom de ce personnage-là, mais tu sais, c'est celui qui aide et qui prend soin de Rose, là, c'est un monsieur. C'est l'architecte. Puis un moment donné, quand Jack et Rose, ils courent, puis ils passent à côté, puis ils checkent l'heure au-dessus d'un foyer. Ouais. Mais un moment donné, il est vraiment dans un hostie d'angle, puis il check l'heure. Ah, il est le même, là? Genre, smooth criminal. C'est ça! Je trouve ça intéressant, cet angle-là, tu sais. C'était cool, tu sais, oui, je comprends. Puis là, Mané, quand est-ce qu'il décroche, là, de regarder l'heure, tu sais? Pousser, c'est apporte quoi, c'est l'heure? C'est parce que je pense que lui, là, il a l'intelligence de savoir il reste combien de temps. L'intelligence ou il invente, il sait pas. Non, ouais, c'est fait, là, il connaît pas le bateau. Il sait complètement. Oui, c'est ça, il dit à Jacques Perrin, il reste. Il a la voix de Bernard Fortin, il est sérieux. C'est ça, c'est Bernard Fortin, exactement. S'il était si intelligent que ça, le bateau coulerait pas. Ah, c'est pas de sa faute. Un peu. Tom, c'est grave ce que tu dis. OK, y a-tu un autre dans l'histoire, y a-tu un autre bateau qui a coulé à cause d'un iceberg? Oui, y a pas le Britannica aussi. Le ouais, SS, il a pu couler. Non, je cherchais le nom du bateau dans Gilligan, ça me rapporte. Des bulles là même des fois. C'était bon les joyeux naufragés. T'aimais-tu ça toi? Oui. Moi aussi. Ouais, c'est vrai que c'était bon. C'est fucking bon. Il y avait un singe. Ouais. Il y a un gars qui a juste crié, c'était à chier. Aucune idée pourquoi, il est en colère. Imagine, il prend son bateau, il s'en va. Moi, là, s'il parle de l'île de Gilligan. Le gars était plus arpent vert. Ouais. C'était à chier. Il a la haine envers Gilligan. Non, il décroche. Il veut pas. Il nous le donne pas.
Tu penses que je sais pourquoi le gars est en colère? Je sais pas. Parce qu'il va entendre des dates. Déjà? Mesdames et messieurs, c'est le moment des dates présentées par le sex shop Eros et compagnie. Si tu veux te masturber, si tu veux avoir du plaisir avec ton partenaire, ta partenaire, avec qui tu veux, Eros et compagnie, utilise le code promo COUPLE15 pour avoir 15%. Utilise le code promo sur Internet. Va pas dans une succursale crier COUPLE15! Ça leur fait peur. J'espère que c'est une poupée en silicone. Tu sais, là, je suis super réaliste, là. C'est toi qui as les papiers? Oui, mais il va les... J'ai la okay, petite carte. Oui. Fait que je lis ça. Guillaume Boldoc. Tais-toi. Eros et compagnie désirent t'offrir un jouet pour représenter ta prestance et ton charisme. Moi, ils se sont trompés. Wow. Non, c'est toi. Rien de moins que l'empereur. Merci. Oh, l'empereur. Attends, time out. C'est quoi qui s'est passé, hein? Attends. Hein? On a un metteur en scène. Vous le connaissez tous, puis il est gênant, hein? Mais merci, c'est gentil. Ah, c'est mais... bienvenue à Justine, notre... était vraiment décalé. C'est fin, merci. C'est quoi gentil. Qui s'est passé? J'ai pas vu. Sa blonde, oui. En passant, vous allez bien ensemble. On a quelqu'un dans la salle qui a un grand souci du détail. Puis qui angoisse. Il angoisse quand les choses sont pas drettes. Ouais. Il a bien fait de régler le problème. Fait que vous avez, vous aussi, vous avez un Philippe Audrey dans votre village, je correct. T'as dit village, hein? Ouais. T'as appelé Val-d'Or village. Es-tu méchant? Il y a une équipe de hockey. Fait qu'on arrête. Il y a une équipe de hockey. OK, montre-nous l'empereur. L'empereur? C'est pas un show télé qu'un violeur, ça? Ouais. Mais c'est aussi une sorte de pingouin. Ouais. C'est du clou. C'est du non. C'est un pingouin! Oui, hein? Je suis content. Ben, ouvre-le, non? Non, oui. Tu veux du contact? C'est sûr que ça a l'air d'un lunch. Tu peux... Ça, c'est pour repartir le char tantôt. Utilise tes dents, c'est plus simple. Vas-y avec ta bouche. Les dents, ouais. Oh! Yeah! C'est vrai que c'est quand même gros, j'ai peur. C'est... Est-ce que c'est une bière de microbrasserie? Oh là là! Mon Dieu, Guillaume, est-ce que tu penses qu'il est assez gros pour toi? Il doit avoir des modèles un peu plus gros, là. Est-ce que c'est celui qui a un double double side? Stop, elle l'a brisé. Ah. Ça, c'est un... Ah, mais Chris, il a peur des trous, puis c'est un trou. Oh! Ouais, mais quand il y en a un tout seul, c'est pas pire. OK. À la limite, deux. Quand une fille est en registre, ouais, je pense que... C'est... D'après moi, je... Ouais, c'est ouais, d'après moi, tu mets ton pénis, puis tu fais des va-et-vient. Il y a des... D'après moi. Il y a des fonctions? Il y a un ventilateur, faut pas être trop chaud. Okay. Ben, ouais. Ben, amuse-toi bien, Ouais. Je vais lire les règles. Ben, j'ai peur que... j'ai peur de... Boum. Mais ouais, je pense que ça vibre, puis il y a plusieurs fonctions. Wow! Après ça, tu peux tondre ton gazon avec aussi. C'est un thermos à café, hein, ouais. C'est un... avec crème ou pas de crème. Ah, comme ça, ouf, c'est dégueulasse, tabarnak! C'est une boîte à lunch à pogo. Oui, aussi. Mais un pogo. Un pogo, tu te le fais le matin, tu le mets là-dedans, tu le ressors à midi, parfait, croustillant encore. Parfait de mayonnaise. Mais, ouais, ben, je m'en l'essayé tantôt, je vous en donne des nouvelles. Merci. Est-ce que t'es prêt à ce qu'on lise une date, Guillaume? T'as peu, je vais aller laver. Mais... Fais un peu de ménage. Tors ces affaires à terre. C'est ça que je fais. Là. Si t'as besoin de quelqu'un pour replacer ta nappe, on a quelqu'un pour toi. C'est extraordinaire à ce moment-là. C'est incroyable. C'est... wow! Mais j'aime le... Gars, je prends les choses en main. J'adore cet homme-là. Complètement. C'est-tu le maire? Que lui, les choses sont faites. Tu voterais pour lui, hein? Ah, je fais de la... Tu fais... De la fraude électorale. Tu ferais de la fraude ouais. électorale? Eh oui.
Tu enlèverais l'un des pliants puis t'en mettrais un autre. C'était con, ça. Ah, excusez-moi. Oh, la politique. Salut la gang! Cette date se déroule l'été 2017, suivant mes premières expériences homosexuelles alors que j'avais 24 ans. Yeah. Ayant une soif déchaînée pour le sexe. Après n'avoir eu que très peu de relations avec les femmes, j'avais envie de rattraper le temps perdu. C'est Thomas dans son nouveau corps. Je suis maintenant une belle lesbienne. Architecte. War is on. Ouais. Je passais à l'acte rapidement pour ne pas avoir l'impression de perdre ma journée dans le gouffre sans fin que sont les conversations small talk sur Grindr. Mon manque de patience dans la collecte d'informations m'a puni à quelques occasions pendant des dates. Trois petits points. Me voilà en voyage à Hawaï cet été-là avec un de mes meilleurs amis. Gros party la veille sur la plage à Waikiki. Meilleure place pour... Waikiki forever. On peut dire ça? Oui, on peut. Voyons, c'est un film. C'est un film. Ben, voyons, oh, donc. On va être obligé de couper ça aussi. Non. Avec la tête de Tiger Woods, là. Waikiki! Excuse, je sais pas si c'est pas mal. Waikiki! Ah, c'est quand même drôle. OK. Ben oui, c'est drôle. Je me réveille alors avec un hangover olympique et une déshydratation avancée à 35 degrés Celsius dans un hostel sous le son des ronflements. Je pars donc en quête... En quête? Nous allons faire un quête. Bonsoir, bienvenue à un quête. J'écouterais cette même, j'écouterais. C'est meilleur que Marie-Claude Savard. Alors, c'est ici qu'elle est décédée, exactement ici. Hein. Elle se couche à la même place. Bon, OK. Je pars donc en quête de Gatorade et trouve le moment opportun pour ouvrir Grindr. Mm. Pourquoi pas en faire une petite vite le temps que mon ami reprenne vie et ensuite le surprendre? Il faut vraiment aimer le sexe pour fourrer avant son premier oui, café. Oui, j'ai le temps. Et ensuite le surprendre avec un beau Gatorade frais. OK. Tu peux avoir un Gatorade sans te faire prendre, mais t'sais, qu'est-ce que j'en sais? Je tente le terrain avec un gars de mon âge à moins de 500 mètres qui me communique aussitôt l'envie d'avoir du fun. Je ne pose pas trop de questions et je commence à marcher en sa direction après qu'il m'ait donné son adresse. C'est alors qu'il me texte. Est-ce que ça te dérange si mon ami se joint à nous? Je réponds, je ne suis pas trop à l'aise, non. Il me répond, OK, pas de problème, je vais lui demander de partir. C'est ensuite qu'il me refait la demande. T'as déjà écrit, ça? C'est ensuite qu'il me refait la demande par deux ou trois fois à savoir si son ami peut participer ou juste regarder. Je commence à trouver ça tannant. Pensez-vous que le gars va être là? Mais étant plus horny que logique, avec mon cerveau ratatiné de la veille, je continue de refuser poliment tout en me rapprochant de son appartement sans me douter que sa persistance pouvait cacher quelque chose. Mm. En rentrant chez eux, je le vois au milieu d'un tout petit loft. Ça paraît pas, là, mais je t'attendais. Je t'en j'avais quelque chose à te dire. Je t'aime. Imagine les deux sons. Ah, salut! Je le vois au milieu d'un tout petit loft, à côté de son lit, devant une porte patio recouverte par des rideaux noirs opaques. J'aime ça. Lorsqu'il s'approche de moi, je remarque une bonne difformité sur un côté de son visage. Chose que je ne pouvais pas voir sur les photos qu'il m'avait envoyées, même si j'avoue que ça m'a surpris, la libido, c'est fort. Ah, OK. Non. Ça, c'est une manière très polie de dire un trou, c'est un trou. C'est ça qu'il veut dire. Avant même de me toucher, il sort une bouteille de popper qu'il sniffe intensément puis se lance sur moi. Oh, il est tôt, man. Ça fait beaucoup de surprises. Même le soleil se lève, puis il fait « Les gars, c'est moi! » Ça fait beaucoup de surprises qu'il me fait là. Demande de threesome, difformité faciale et drogue. Ça, c'est pas une surprise, c'est juste des fois, le monde sont pas aussi beaux qu'il, en tout cas. Oui, je comprends. Oh, ça me fait penser à Notre-Dame de Paris. Pensez-vous que c'est ça? Ouais, à la fin, il meurt, c'est ça, Esmeralda. Ding! Bruno Pelletier, il arrive. Pour vrai, il est tellement bon, Bruno Pelletier, là-dedans. Yeah. Là. Oh my God! Okay. Quelle parenthèse exceptionnelle. Non, mais...
Quel talent! Quel talent. Daniel Lavoie était cool aussi. Ouais, quelle autre parenthèse qu'on n'aurait pas pu se passer. Non, mais ils sont tous garous! Mais tu sais, l'écriture de Luc Plamondon! Impossible! Richard Cochante! Impossible! Garous, là, ils l'ont découvert dans un karaoké. Est-ce que tout est possible, la gang? Non, mais fait oui. Il y a bien des choses qui sont impossibles. Je sais, mais tu sais, le rêve de tout chanteur de karaoké, te faire découvrir, non? Non. Non, je rentre chez moi après moi. OK. Alors, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de plus que je me dis tout en me déshabillant? Il commence à me sucer en lançant à toutes les 20 secondes « Tu es certain que tu ne veux pas que mon ami vienne? » Génial! Il est clairement derrière les rideaux. T'as raison. Les rideaux opaques, là, c'est pas anodin comme détail, là. Meilleur gars. Le gars qui est caché ou le gars qui suce? Meilleur gars que TS! Bruno Pelletier ou... Daniel Lavoie! Les deux! Le mon nom que j'étais! Je choisis tout le temps, là. Je réponds toujours que oui, je suis certain. À la cinquième fois... Non, il répondait... Oui, je suis certain. Je fais sucer, là. Il faudrait que je dise... C'est le popper! Ouais. J'allais faire tellement de jokes faciles. Vas-y. J'ai pas envie, je vais la garder pour plus tard. Oh! Ok, je la fais tout de suite. Est-ce que quand il vient, il va dire il est venu? On la reprend, on la garde. Ben okay. Oui! Tu voulais pas nous offrir ça. Son chum de gars va sortir des rideaux en disant nous sommes des étrangers. Ouh! Asile! Asile! Ouh, mets-moi dans le cul! Ah, c'est pas une tonne, ça, c'est pas une tonne. C'est pas une tonne, ça, mets-moi dans le cul. C'est pas une tonne. Tu es certain que tu ne veux pas que mon ami vienne? Je réponds toujours que oui, je suis certain. Est-ce qu'il te branle en disant ça, tu penses? Oui, dis-le 20 secondes. Mais en le branlant? T'es-tu certain qu'il veut pas qu'il vienne? Ouais, ok. T'es-tu certain, là? Ouais. En passant, c'est une demande, pendant une pipe, pas mal le meilleur moment pour le demander. Hein? Pendant... Chris, on aurait dit que t'étais en train d'en faire une, là. C'est une requête! Pas mal la... T'as une requête difficile. Pendant une fellation, ça risque de passer. Ah, tu risques de te faire répondre oui. Okay, okay. Oui, il suce souvent ses amis quand il veut quelque chose. À la cinquième fois, je réponds sur un ton un peu plus sec. C'est là qu'il m'annonce... Contrairement à la bave... OK. C'est là qu'il m'annonce. C'est parce qu'il fait vraiment chaud dehors et il habite juste de l'autre côté de la porte patio sur le balcon. T'avais raison! Il est juste de l'autre côté de la porte patio sur le balcon. Encore une fois. Je pensais qu'il était en dedans de la maison. Fait que c'est pas super. Ouais. Ah, je comprends. Tu sais, avec les espadrilles qui dépassent, là. Mon ami, il y a un bout de rideau qui fait ça. Il bande, une espadrille et une érection. La personne n'est pas attentive, elle fait juste comme accrocher sa calotte. Encore une fois, la libido, c'est fort. Je lui réponds « Fine ». Fais-le rentrer. Pendant que j'enfilais un condom, son ami rentre. Il avait le casting de Bruno Pernod. D'un gars qui était présent lors de l'attaque sur Pearl Harbor en 41. Ça veut dire qu'il était vieux. OK, comment t'aurais fait de te sortir de Pearl Harbor? Bonne question. Je pars en moto avec Josh Hartnett. Moi, j'aurais sorti ma contrebasse. Sur le pont du... Le fait. Je trouvais la situation trop bizarre pour avoir pitié du vieillard. Oh! Qui se morfondait à 35 degrés dehors. Aussitôt qu'il fut rentré, il se jeta sur nous deux dans le lit à la même vitesse que j'ai perdu mon érection. C'était trop pour moi, je me suis levée, me rhabilla et partie en vitesse. La leçon que j'en tire? Aucune. C'est vrai, c'est écrit! C'est extraordinaire. Mais ça me fait une maudite belle anecdote. J'ai finalement raconté mon épopée à mon ami dans la chambre du hostel pendant qu'on dégustait notre Gatorade en pleurant de rire. Wow! Very good. Yeah. C'est un petit deux pages, OK. Vous êtes prêts? Yeah. Non. Vous êtes prêts? Jamais vraiment prêts. On n'est jamais prêts pour une date. Ben, je la ferai pas. Salut à vous deux et à votre invité. C'est toi, ça? C'est moi, ça. Je suis un homme de 25 ans, hétéro. Bon, pour commencer, je dois dire que je suis un gars des Basses-Laurentides, donc les kinks et autres styles de sexualité sont plus rares dans le Nord.
Ah? Eh ben. C'est-tu vrai, ça? Oh, ah oui, oh, hey, ça n'a pas rapport, ben, ça. Gang. Si... Comment dire? Ah, si... si ça, ça vous surprend, puis ça fait... Ça va être long. Cette date-là est spéciale. Oh non! C'est un homme... Je l'apprécie beaucoup. Mais c'est un homme spécial qui nous écrit. Impossible. Lui, il pense qu'il y a des gays juste à la TV, genre. Pas des gays? Pas des gays? Il a dit qu'il n'y a pas d'autres... Des kinks! Il est pas aussi spécial que... Il disait que, genre, les gays et autres sortes de... Les styles de sexualité sont plus rares. Les gays et les styles de sexualité. Je pensais qu'il était comme Thérèse Laurentine, tout le monde est hétéro, là. Non, mais tu vas voir, il est pas... Bref. OK, bon. Ils sont plus rares dans le Nord. Étant un gars de char, je voyageais souvent vers la grande ville. Afin de participer au meet de char et rencontrer du monde afin d'avoir du fun, entre parenthèses, sexe. Tellement, man. Parce du sexe entre parenthèses, là. Un soir, j'ai rencontré une fille de 19 ans, un peu immo, aux allures sombres. Oh my God, le genre de fille qui m'attire en crisse. Aux allures sombres? Aux allures sombres? Il n'y a pas de point, c'est une virgule, on continue. Elle, la tête est weird, c'est génial. OK. Non, mais tu vas voir. On jase, tout se passe bien, et plus la soirée avance, plus nos discussions tournent au sexe, on se tease beaucoup. Elle souligne le fait qu'elle aime ça rough et que souvent, elle est déçue de voir que les gars avec qui elle couche sont décevants et maladroits avec de petits pénis. Quelle phrase! On se cachera pas, étant moi-même un gros fan de sexe rough, du sexe rough, c'est crissement ordinaire quand c'est maladroit. On continue à parler de... C'est un gros fan de sexe rough. Ça, on passe ça comme si rien n'était. C'est un gros fan de sexe rough, mais il a pas parlé de la grosseur de son pénis. Non. Ça, il est pas revenu avec ça. C'est crissement ordinaire quand c'est maladroit. On continue à parler et se tease, mais rien ne se passe ce soir-là. On décide de se... Là, L-A-H. On décide de se... de se revoir. Et puis moi, je fais des fautes beaucoup. Fait que si je ris de celle-là, c'est bon. On décide de se revoir. C'est écrit à simple interligne. Fait que des fois, j'ai de la misère. Puis là, j'ai passé proche de dire... On décide de se venir... de se revoir encore dans un fameux meet de char la semaine d'après. Un fameux meet de char. Faites-vous ça ici, des meet de char? C'est quoi? C'est ça consiste quoi, en quoi? On se donne rendez-vous dans un parking? Ben oui. OK. Avec des chars, tu montes ton faites-vous moteur. Faites-vous des meets de motoneige? OK. Le moins possible, j'ai adoré cette réponse. Pas à soi. Elle me dit de venir la chercher et que nous allions passer la soirée ensemble, I guess, c'est écrit ENS. Et une bonne partie de la nuit. Soir venu, je vais la chercher à Longueuil, donc un bon 1h45, 2h de route de chez moi. Elle embarque dans ma voiture et je vois directement dans ses yeux qu'elle ne veut absolument pas aller au meet. Elle vise vraiment plus ma chambre qu'un meet, donc je lui dis « Prêt pour le meet? » Moi-même, je suis... Je vois dans ses yeux que ça ne tente pas. Je le vois vraiment dans ses yeux que ça ne tente pas, mais t'es prêt pour le meet? Il s'en calisse de ce qu'elle veut, là. Il y a plusieurs, un meet de char. Ouais. Ah! Bon, genre, je pensais que c'était genre pour la date, on park nos chars. Fait que là, les gens, ils disent, on va tout se... OK, parfait. Ouais. Super. Vous êtes prêts pour la prochaine phrase? Excusez-moi, j'ai pas d'amis. Vous êtes prêts pour cette suite-là, c'est normal. Vous êtes prêts pour la prochaine phrase? Elle, deux petits points. Je veux plus que tu me démontes la gueule jusque chez toi, mais ne me déçois pas. Ouais. C'est clair. What the fuck? Mais pas what the fuck, là, c'est plutôt clair. Ouais, what the fuck en majuscule. Oui, j'aime le sexe, mais Chris, faire 1h45 de route pour aller la chercher, va faire 1h45, 2h de route pour revenir pour fourrer, ça fait du chemin. Ben là. Hein? Mais c'est plus. Moi, c'est plus faire 1h45 pour faire un meet de char. Ouais, non. C'est ça. Mais faire 1h45 pour un rapport t'sais, sexuel avec une fille qui a les mêmes... Moi, mêmes... le meet de char serait accessoire à la relation sexuelle. Lui, la relation sexuelle est accessoire au meet de char. C'est ça, le... Mais moi, à chaque fois qu'on dit meet de char, j'ai de plus en plus envie d'en faire un. Je peux pas croire que j'ai jamais fait ça. C'est épouvantable. C'est comme, on dirait que tout le monde a fait ça, puis pas moi, puis là, j'ai un gros genre faux mot, genre. Tu sais, dans Fast and Furious, avant les courses, là, oui? C'est ça. Ah! Mm-hmm. Ben, je veux faire ça. Il y a pas de Chris puis Paul Walker, là.
pas grave. C'est genre Alma, mourir, là. Alma, il y en avait, et ironiquement, ça se passait dans le parking de la bibliothèque. Personne disait, oh non, ils vont voler nos livres. Donc, une heure de revenir fourrer ce chemin. Je lui dis que nous sommes loin de chez moi. Elle me dit, tu vas voir, j'ai du talent. C'est excitant. Ouais, j'avoue, ouais. Je réussis à lui faire comprendre que j'ai pas l'intention de recevoir une fellation pendant 1h45 pendant que je conduis en pleine ville. Elle fait la moue et me dit, ouais, ça commence bien. À bout, parce qu'elle peut pas le sucer en char. Elle peut pas le sucer, ouais. Meilleure fille. On l'a trouvé, meilleure fille. Elle peut pas être bête, la fille, avec toi, mais j'ai pas laissé me sucer. Je la ramène chez moi, tout le trajet se passe bien et réussit à ramener la tension sexuelle qu'il y a entre nous. Arrivé chez moi, ça a pas l'air difficile. Ouais. Arrivé chez moi, je l'invite à entrer. Entre parenthèses, ah oui, j'oubliais, j'ai chez moi une pièce dédiée au plaisir et sex rough. Menottes, bandeau, strap, etc. Je suis un habitué. Est-ce que des fois, il organise des fêtes dans la femme, il fait oh, j'avais oublié mon donjon. Oups! Wow. C'était peut-être pas la place pour le petit Timothée! J'ai oublié que j'ai une place où j'attache des madames pour les prendre. Je joue pas avec ça, c'est sale. Pour être pire, il pourrait avoir oublié une madame. Oui, oups! J'ai oublié une madame dans la cage. Comme dans ça. Ouais. Oui! Qui est arrivée chez moi, elle, elle me dit, il y a un donjon, juste... il y a un donjon. Elle me dit, je vais juste me changer aux toilettes. Quelques minutes passent et ressort habillée en bébé. Oui, oui. En bébé, la suce, une genre de couche déguisement que je ne connaissais pas, maquillage. Ah oui, on est prêt pour la date. T'étais pas prêt pour la date. T'étais pas prêt pour la date. Tu sais pas ce qu'il y a dans la date. Moi, je le sais, t'es pas prêt. Maquillage un peu enfantin, petite. Quel enfant se maquille, ciboire? Comment? Quel enfant se maquille, virgule, ciboire? Check ben. Maquillage un peu enfantin, petite tache de rousseur dessinée au visage. Ça t'avertis, non? T'avertis. T'avertis pour le tatou, faut avertir. Est-ce qu'elle a une couche pour adulte? C'est une vraie question. Ça dépend. C'est ça dépend de... Ben, elle a besoin de se faire punir. Fait que... Mmh, faut que la punisse. Ah, c'est quoi le rapport? Devine. Hein? Elle aime ça... Ah, OK. Elle veut se faire changer. Ben, non, t'sais. C'est qu'elle aime ça le rough, puis des fois, elle aime ça se faire punir. OK. Donc là, elle fait ça à ses culottes. Là, t'es fâché. Fait pas ça à des culottes, puis t'as puni. Chris, je veux pas fourrer la version real life de la petite fille de Wendy's. Ah! Ah! Sacrament, man! Avec les lulus, là! Oh my God! Elle me demandait du... Attends, mais Wendy's, là, c'est bon, Wendy's. Ah oui, c'est très bon. C'est très bon. C'est quoi, c'est quoi le gros burger? C'est le Baconator? Ouais, c'est ça, c'est Wendy's, pense, c'est ça? Ouais, mais c'est ça. Appelle-moi le Baconator. En tout cas, ça ferait un bon sobriquet. Elle me demandait du rough et je me retrouve face à un bébé de 19 ans. Elle me fait comprendre que son déguisement l'allumait vraiment. Pour ma part, mon sexe rough mixé à un déguisement d'enfant slash bébé me fait vraiment turn off. Je me dis que près de 3h30 de route ont été faits. Je veux pas les avoir faits pour rien, donc je passe par-dessus. Ah, si loin de ça! Il se dit, hey, j'ai manqué un mythe de char pour ça. Mais pour vrai, je sais pas si ça aurait été... qui aurait continué? Tu sais, des fois, la libido, c'est fort. Oh my God! Nous commençons nos ébats attachés, strap, gag ball, fouet et autres. Je joue mon rôle de... Comme quoi, autre? Il y a pas mal d'affaires, là. Cherche, là. Je joue mon rôle de dominant. Le déguisement a pris le bord. J'ai inclus dans mon rôle de dominant que je devais... détruire le costume de bébé, j'étais content. Brillant. Mais c'est trouves ça brillant? J'aime pas le costume, il le détruit. Les détruit, genre. C'est quoi? Il met les ciseaux dedans, genre? C'est... Détruit. Ah. Ou il a vieilli, il fait de l'acné avec du maquillage. Il fait des vergetures. Il fait des.
Oh my God, esti. C'est comme Benjamin Button inverse, ouais. Fast forward. Il donne un diplôme de 10 secondes. Attends, Benjamin Button inverse, c'est juste un gars quelqu'un de normal. Hey, c'est comme Benjamin Button inverse. Fait que la vie. Juste là. Comme... Ah, Benjamin Button inverse. Qui ici évolue dans la vie comme Benjamin Button? Tu sais, dans la vie, t'as trop de références. Benjamin Button, mais non, ouais. T'as vu Brad Pitt, tu comprends plus rien du film. C'est tout, je préfère tout. Benjamin Button, inverse. Deuxième chose que je ne savais pas, c'est que Ruff n'est pas la même échelle pour tout le monde. Elle me disait de la frapper toujours plus fort, je veux bien, mais je mesure 6 pieds 2, pèse 250 livres. Je veux baiser Ruff, pas battre une femme. ou même la tuer. Quoi? Tabarnak! Elle demandait sans cesse de la frapper plus fort, de la serrer plus fort. Oh my God! En majuscule. Deux fois, les yeux roulaient tellement je serrais fort. Ben voyons! Elle... C'est ce qu'elle apprécie. Elle, je relâchais et elle chialait car je l'avais relâché peu elle de temps. Elle boude beaucoup, hein? Elle, c'est une chialeuse. Je vous écris présentement de la prison. Non, après, elle saute sur me pénis. Il y a une faute, là. Elle saute sur me pénis en disant que... jamais... Ça fait un petit beau T-shirt. Me pénis. Meilleur gars qu'une flèche en haut, puis me pénis avec une flèche en bas. Oh my God. En disant que jamais un gars l'a fait gag reflex et qu'elle était un pro de la fellation. Elle prend mon pénis, le suce 3 coups et gag reflex arrive immédiatement. Elle part à la course et vomit partout dans la porte de mon donjon. Donjon sexuel. La porte de mon donjon, là, c'est la pièce What de pièce dans fuck? Un 5,5. Là, ouais, t'es un bureau. Oui, t'es un bureau avec des menottes. C'est clair. Tu sais, puis les murs, pour que ça fasse plus donjon, il a mis de la décoration de Noël, des roches. Là. Ma mère avait ça, des roches en papier. En tout cas. Il y a un bouclier, en tout cas. Ouais. What the fuck? En majuscule. Oui. Comment peut-on sucer un pénis et ne pas se rendre compte que c'est trop intense pour sa gorge? Bref, elle revient. Ouais, mais des fois, ça arrive. Là, ça arrive, des fois, tu sais. Bref, jamais. Elle revient et me dit qu'elle veut continuer. Christ a vomi partout sur le plancher. Elle dit, pas grave, on ramassera après. Bon. C'est... Mes couches sont super absorbantes. Oh my God. La libido, c'est fort. Oui, la libido, c'est fort. Ouais, parce que, ouais, t'as pas tort, parce que... Là, bon, d'accord! Oh on continue! Autre chose que je ne savais pas, elle est Power Fontaine. Power Fontaine en majuscule, là. Il a fallu qu'il redécore son donjon, après. C'est ça, le temps, pour faire ça. Après, c'était humide, comme un vrai donjon. Ah, moi, ça, je trouve ça génial qu'on lit cette date dans le théâtre Félix Leclerc. On est loin des petits souliers. Après plusieurs... Le fantôme va nous tuer. Il nous regarde, là, ouais. En ce moment. Là. Oh après plusieurs orgasmes, elle mouille mon matelas au complet. J'avais jamais vu au ça. Au complet? Elle... Au complet. Au complet. Ben là, c'est peut-être... Power Fontaine en majuscule. C'est simple. J'en peux plus, tranquille. J'en peux plus. Ah, j'ai chaud aussi, ça achève. J'avais jamais... C'est une belle ride, hein? J'avais jamais vu ça. Elle mouillait tellement que j'ai dû changer de matelas. Quelques heures de plaisir... Il n'y a pas de ponctuation. J'ai dû changer de matelas. Quelques heures de plaisir. Après, elle me dit qu'elle doit retourner chez elle car son chum, en majuscule, revenait de la garderie. Non, revenait de voyage. Impossible. Dans quelques heures. What? T'as un chum? Génial!
C'est écrit comme ça. Et là, mon plancher est plein de vomi, mon lit est plein de liquide. J'ai dû la ramener chez elle de nuit, faire un autre 4 heures de route aller-retour. Une fois arrivé chez moi, au matin, j'ai dû laver et ramasser mon plancher tout seul. Et j'ai jeté mon matelas. Malaise, mon voisin me voyant sortir mon matelas est venu me voir pour me dire « Ouais, grosse nuit, le voisin! Ah! » Oh my God. Elle aime ce gars-là. Il a attendu aussi. Ben ouais, oui, c'est sûr. Un donjon, c'est pas insonorisé. Les bruits de chien. D'ailleurs, est-ce que lui, pas lui, lui, depuis ça, est-ce que quand il regarde la patte patrouille, est-ce qu'il bande? Hein? OK. Non, est-ce qu'on a compris? On a compris. T'as le voisin qui fait comme on t'a pas vu. J'ai vu le. Le voisin fait comme on t'a pas vu au mythe de char. Sortir sérieusement, qui sort pour aller voir son voisin lui parler de sa baisse qui vient de partir? En bref, soyez toujours franc et n'hésitez pas à mettre en échelle, une échelle à votre mot « rough ». Et s'il vous plaît, si vous avez un kink, « baby fuck daddy issue », dérange pas de fou. Peut-être juste voir si la personne sait first que ça existe et deux, voir si ça leur dérange pas de fourrer un fake bébé. Si vous avez un chum, dites-le ou fermez-vous à jamais et trouvez une autre excuse. Merci Tom et Steph. Lâchez pas votre super job. Je vous adore. Ben, j'ai envie de tout lâcher. Hey, ça en était une bonne, ça, hein? Veux-tu en dire une autre, mais qui est bien écrite? Si. Non, vas-y, j'y moi, vais. J'aime ça intervenir aussi. Tu peux lire le titre, c'est voulu. Il y a un titre de l'auteur même qui s'appelle « Surligneur brun ». Salut vous deux et l'invité de la semaine. Je sais que vous aimez la mise en contexte dans vos dates. Alors voilà, ma date s'est déroulée quand j'avais 28 ans. À l'époque, étant un homme homosexuel, étudiant et célibataire, j'étais à la recherche d'expérience et prenais une aise à dater différents types d'hommes. Un jour, sur Tinder, je tombe sur un gars de 26 ans, très cute et avocat. C'est un match. On discute pendant plusieurs jours. On s'ajoute sur Snapchat et Instagram et la discussion se poursuit à ces endroits. On sédule notre première date, un brunch dans un resto branché. Le gars très galant paie pour tout. On a de bonnes discussions et on a plusieurs points en commun, ça augure bien. Il me mentionne l'importance qu'il accorde à prendre son temps avant de coucher avec quelqu'un et avant d'avoir des rapports sexuels, détail important à retenir. Lui, il attend. Il attend. T'es un patient. On attend. Plus la semaine avançait et plus ses Snapchat devenaient osés. À l'époque, je ne disais pas non à quelques photos not safe for work de temps à autre. Il m'envoyait ses photos et vidéos pas mal à toute heure du jour, parfois chez lui, parfois dans les toilettes de son travail, etc. Et il est avocat? De la cour. Ah! Excusez, monsieur le juge, je vais demander qu'on arrête. Je vais à la salle de bain. Ah! Mais est-ce qu'ils faisaient avec leur... Avec la toge! Ouais, ou tu sais, tout nu, mais avec juste l'espèce de truc blanc. Oui! Objection! Oh! Puis son pénis, il y a un autre petit truc blanc. Tu sais, une vieille perruque. Oui! Une vieille perruque blanche. Là. Parfois, ses vidéos étaient très explicites. On planifie alors notre deuxième date, écouter un film chez lui et commander du resto. Au début de la date, il réitère l'importance d'attendre avant d'avoir des rapports sexuels. C'est un patient. Et ce, malgré le fait qu'il m'ait envoyé des photos et vidéos qui ne laissaient peu de place à l'imagination. Tout se passe très bien, quand même collé pendant le film. Il est en sous-vêtement pour une raison que j'ignore. Ben, et à plusieurs reprises... Il ignore la raison pourquoi il est en sous-vêtement. Ben oui, pourquoi donc? C'est curieux. Ben, il fait chaud. Ben... Et à plusieurs reprises pendant le film, il frotte son érection sur ma jambe et me frôle l'entrejambe à plusieurs reprises. À un certain moment, il empoigne mon pénis, le sort de mon pantalon par lui-même et commence à me faire une fellation. Au bout de 2-3 minutes, il arrête un peu fâché et me dit qu'il voudrait attendre avant d'avoir des rapports. Ça, c'est un kink, là. C'est clairement un kink, là. Et qu'il se sent mal maintenant. C'est le procureur puis l'avocat de la défense en même temps. Il se fait oui! Objection! Oh my God! C'est genre Dr. Jekyll, Mr. Hyde!
Oh my God, j'essaie tant bien que mal de le rassurer, lui mentionner qu'on peut simplement écouter le film et que je ne veux pas qu'il se sente de pression à faire quoi que ce soit. Ça laisse un froid. On termine tout de même le film, l'ambiance est glaciale, mais il continue son frottage et frôle encore mon entrejambe à quelques reprises. Allô les mixed signals. À la fin du film, l'ambiance est toujours froide et je décide de quitter. C'était un dimanche et je travaillais tôt le lendemain matin. Sur le chemin du retour, je me disais que je ne croyais pas que ce serait un match et que je n'avais pas envie de dealer avec ces mixed signals. Ce soir-là, on ne s'écrit pas et le lendemain matin non plus. Mercredi matin, trois jours après la date. Mercredi matin. Ouais, tu l'as dit sur le ton du roi. Mercredi matin. Moi ici, j'ai continué à tourner dans ma tête. Trois jours après la date, out of nowhere, il m'envoie un Snapchat vers 10h AM. C'est tôt. Innocemment, je l'ouvre à mon poste de travail. Oh. Et c'est une vidéo. Plus particulièrement, une vidéo de lui, attention, ça part, à quatre pattes dans la salle de bain de son travail, en train de rentrer dans son anus, trois surligneurs en même temps. Avec la caption « I wish it was you ». I wish que je sois trois surligneurs dans ton cul? OK. Ce gars-là, il est capable de colorier sans dépasser. Oh mon Dieu. Le même gars qui passe son temps à réitérer qu'il ne veut pas sexualiser la relation. Je décide que c'est vraiment trop weird pour moi et je ne réponds pas à sa vidéo, je la laisse sur vue avec la ferme intention de le ghoster. 2 heures plus tard, il m'envoie un autre Snapchat, cette fois-ci une photo. Hésitant à l'ouvrir. Je pensais une photocopieuse, je te le crisse, il est mort! Hésitant à l'ouvrir, j'attends un peu et l'ouvre quelques heures plus tard. La photo était le dessin qu'il avait réussi à faire avec trois surligneurs dans le cul. C'est vrai? Non. Ouais. Chris! Fais-moi pas rêver! La photo était une photo toute simple de lui et sa collègue de travail en train de travailler. C'est extraordinaire! C'est tellement épeurant! Tu sais, comme une stock photo, là. Tu sais, genre... Ouais. Ça, c'est moi, ouais. Pis, c'est moi pis Myriam. Hein. Tu sais, c'est pour montrer que il est en train de travailler avec sa collègue, mais qu'en ce moment, il y a trois crayons dans le cul, là. Ouais. Ils ont encore, c'est ça. Mmh. C'est ça, c'est ça. A priori, tout semblait normal sur la photo, un selfie de lui en train de travailler avec sa collègue, excepté que sa collègue tenait entre ses mains un le des crayon! Trois... Wow! Oh. Meilleur gars! Ah, c'est bon, là. J'ai... Mais la phrase est bonne. Accepté. Alors, excepté que sa collègue tenait entre ses mains un des trois marqueurs qu'il venait de s'insérer dans rectum quelques heures auparavant. Il manque le... Même si c'est lavé, c'est pas grave, c'est quand même... Je, alors, répondu à sa façon. Imagine, elle joue, elle fait... Il faut que je t'avoue quelque chose. Comme, oh non, impossible, non. J'adore respirer les crayons feutres. Non, mais même, tu sais... T'as le crayon, puis là, ça me buzz. Ben oui. Non. Je alors répondu à sa photo en lui demandant si c'était le même marqueur. Et il m'a répondu que oui. Qu'il aimait le thrill. Arc. Ressources humaines, c'est un avocat. C'est un avocat. Oh my God. God! Je n'ai plus jamais reparlé à ce gars et me porte extrêmement bien depuis. Signé, attention, date écrite de la job. Oui, on peut l'extension, on peut l'appeler. On doit... Je suis traumatisée! Je ferais une web-série de ça, moi. Les surligneurs ou... Les trois. Tabarnak, celle-là, je pense pas que t'as le droit. Guillaume. Oui. Si on veut te suivre, on te suit comment? Toutes les médias sociaux, Guillaume Boldog sur Instagram, sur ma page Facebook. Puis faites-le, là. Là, pesez sur pause, puis allez-vous. Allez me suivre. Puis sinon, TikTok, sinon, je fais mon show. Je commence à tourner mon show qui s'appelle Faire Simple.
un peu partout au Québec. J'ai une dizaine de dates. Là, je vais beaucoup au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Gatineau, puis je termine ça à Montréal, à Québec aussi. Les billets sont en vente. Vous pouvez aller, c'est guillaumeboldoc.ca. Le site internet, il est sur la veille d'être prêt. T'as pas acheté le .com? Il était déjà pris. Qui? Qui? Je ne sais pas. Qui? Mais ça se peut dire que ce soit comme des bons... Le gars des marqueurs? Non, mais... Le bébé? C'est le bébé. Tabarnak. mais ça se peut que ça soit genre... Il y a des boats, je pense, qui font ça, qui achètent des... Ah, ils détectent qu'il y a un certain intérêt. C'est ça, c'est ça. Je comprends. Avez-vous entendu? Il y a un certain intérêt. Fait que suivez-moi sur les médias sociaux, puis je fais plein de niaiseries, là. Est-ce qu'on peut applaudir Guillaume, s'il vous plaît? Merci beaucoup! Et merci, madame. Vous avez été incroyable. Merci. Merci, merci. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine.